Bonsoir à toutes et tous, salut Raphaël, salut Yanamat, salut Kyle, salut qui, je ne relis plus ton pseudo, salut Elvatou peut-être, salut El Protecteur, salut Interaventurier, salut à toutes celles et ceux que je ne peux pas saluer parce que le chat défile. Bienvenue dans le talk de France Info, 18h-20h, 2 heures de stream les mercredis et jeudis soirs pour décrypter l'actualité avec au programme de la politique, des voyages, de la diplomatie, des sciences, de la médecine, des tendances, de la tech, des rêves et des idées et un peu de droit aujourd'hui, vous allez voir. 2 heures avec vous et des expertes et des experts pour mettre de la lumière dans les ombres, pour chasser les brouillards, mettre de l'air où parfois l'air manque, pour mettre de l'oxygène dans nos têtes, de la raison, dit-on, là où il y a parfois un peu trop de passion. Pour l'heure, il n'est jamais que 18h04, passé de 37 secondes à Paris, il doit être à peu près la même heure à Bois-Colombes, à Cambrai, à Tourcoing, il doit être pas loin d'une heure de plus à Jérusalem et 2 heures de moins à Dakar. Au programme de ces 2 heures ensemble, la 12e journée d'audience au procès de Mazan devant la cour criminelle du Vaucluse, Mazan du nom du village où vivait Dominique Pellicot, accusé d'avoir drogué sa femme pendant 10 ans. Pour la violer et la faire violer par des hommes recrutés sur Internet, avec au cœur des débats les notions de viol et de consentement notamment. Nous irons ensuite à l'hôtel de Matignon, ce sera 19h où Michel Barnier, le Premier ministre de la France, termine ses ultimes consultations pour tenter de composer un gouvernement d'union nationale. Il est 18h05, passé de 13 secondes. On fonce à la cour criminelle du Vaucluse à Avignon, où se tient le procès de Dominique Pellicot, donc accusé d'avoir drogué sa femme Gisèle Pellicot à son insu, de l'avoir violée, de l'avoir livrée à d'autres hommes pendant des années. 50 hommes jugé à ses côtés, un procès qui interroge sur la notion de viol et surtout dans ce cadre sur celui de consentement. Bonsoir Zoé Royaux. Bonsoir. Zoé, tu es avocate pénaliste, tu es cofondatrice et porte-parole de la Fondation des Femmes. Absolument. À tes côtés, Mimi Hegel. Salut Mimi. Salut. Tu es déjà venue, on s'est déjà vu il y a quelques mois je crois. Bienvenue chez toi. Bonjour le chat. Tu es autrice féministe. Tout à fait. Et à tes côtés et à mes côtés, Elsa Labouret. Salut Elsa. Salut. Et tu es porte-parole d'Osé le féminisme. Tout à fait. Bienvenue à toutes les trois. Donc on est au 12e jour d'audience, au procès des viols de Mazan. Il y a une phrase qui a beaucoup choqué, c'est celle d'un des avocats, des co-accusés, qui dit « il y a viol et viol ». Est-ce qu'il y a viol et viol qui se lance, maître ? Bah non, enfin la loi est très claire, il y a différentes sortes de viols commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la loi nous le dit. Mais là c'est un système de défense un peu fragile et un peu nauséabond, et là on va rentrer dedans parce qu'on a les accusés qui vont être entendus maintenant. Donc là il essaye de nous dire en réalité, j'imagine, que c'est l'accord du mari a pu faire croire que madame inerte était d'accord. Il faut quand même entendre ce que elle, Gisèle Pellicot, a dit. Elle a dit en fait j'étais un sac poubelle. Une poupée de chiffon. Et le sac poubelle, je trouve que l'image est d'une violence folle, mais elle résume assez bien en fait, ce que ces hommes lui ont fait subir pendant 10 ans. Elsa, il n'y a pas viol et viol. Ouais, oui, je pense que l'idée, c'est de parler de l'intentionnalité. Je ne pense pas que c'est la question dans ce cas-là. On n'est pas sur une zone grise, même si j'imagine que les avocats de la défense font leur travail, même si on peut peut-être discuter de la façon dont il est fait, puisqu'il y a eu aussi beaucoup de citations, notamment aujourd'hui, d'une avocate, notamment de la défense, qui ont aussi fait, je trouve à raison, réagir et grincer des dents. Mais vu l'horreur de l'histoire, je ne pense pas qu'il y a viol et viol, que ce soit dans la loi ou dans ce cas-là, où vraiment les actes sont assez indéniables. Elsa ? Effectivement, il n'y a jamais viol et viol. Enfin, je trouve que ça n'a pas de sens déjà juridiquement et même en termes de français. Mais il y a 2 choses qui me viennent à l'esprit. C'est d'une part l'idée en fait, un peu généralement acceptée du viol comme étant quelque chose qui arrive par un inconnu dans une ruelle sombre et qui est encore très prévalent dans beaucoup d'esprits. Et s'il y a quelque chose que fait cette affaire, c'est démontrer que ce n'est pas vrai. C'est ce que disent les féministes depuis très longtemps, les avocates, enfin, énormément de personnes le disent. Non, ce n'est pas vrai. La vaste majorité des viols se passent dans un cadre familier, domestique, au travail, par quelqu'un qui est connu de la victime, et dans la moitié de tous les cas de viol, c'est le conjoint. Donc c'est très commun d'avoir quelqu'un de connu. Et ensuite, là, on a tellement une diversité de profils dans les 51 accusés qu'on ne peut pas chercher un seul point commun, à part que ce sont tous des hommes. Et le deuxième élément, c'est l'intentionnalité. Je pense qu'on peut revenir encore dessus ce soir, parce que ça a été beaucoup un sujet aujourd'hui. Voilà. C'était beaucoup un sujet aujourd'hui, mais il y a eu cette question qui a été posée, je ne sais plus par quel un avocat pendant l'audience, je crois, qui était, est-ce qu'on peut violer sans le savoir. Et ça, je pense que c'est une grande question. Ma réponse, ça va être bien sûr oui, mais parce qu'on a le temps de creuser pourquoi. Pour moi, c'est voilà, il y a une question d'intentionnalité qu'il faut éclaircir d'un point de vue politique, militant et peut-être d'un point de vue juridique aussi. Il y a déjà des questions dans le chat hein, qu'on peut peut-être voilà, tout de suite aborder. Il y a Yanamat, salut Yanamat, qui dit « Certains propos des avocats de la défense passent-ils sous le coup de la loi ?» Probablement que non, mais qui sont peut-être limites, mais ça c'est un point de vue... Oui, non, la parole des avocats est libre, et heureusement d'ailleurs. Enfin, on défend comme on peut, avec ce qu'on a, et puis avec ce qu'on est aussi. Hein. Enfin, c'est pas... voilà.
Est-ce qu'il n'y a pas de limite, par exemple, à ce qui peut être défini comme de l'hostilité envers que ça soit l'accusé, enfin en tout cas la personne à laquelle l'avocat ou l'avocate s'adresse, dans les propos, dans les... Je sais que parfois il y a des questions qui ont l'air genre répétées de façon insistante. Non, le président ou la présidente, là c'est un président de l'audience, fait la police de l'audience, des débats. Okay. Donc lui peut rappeler et demander à ce qu'on ait un peu plus d'égard pour la victime ou que les mots soient... plus mesuré. Et puis après, la limite, c'est la limite légale. C'est-à-dire pas d'insulte, pas d'outrage, oui, tout ça. Bon. Mais sinon, ils posent toutes les questions qu'ils veulent. Et ils peuvent aussi dire à cette femme qu'elle ment, ce qui est en train d'être un peu sous-entendu. Les photos qu'ils ont pu montrer d'elle, en la décrivant comme lascive, tout ça, hein, qui est une façon de dire qu'elle aurait été d'accord et que ça aurait été envoyé au type. Bon. Non, la parole des avocats est libre. J'ai envie de dire aussi, quand on est face à un jury, l'avocat va peut-être plus se faire appel aux émotions, aux sentiments, à quelque chose de subjectif. Là, il n'y a pas de jury parce qu'on est en cour criminelle départementale. Mmh. Donc, est-ce qu'ils vont avoir moins tendance à faire appel à ça et plus rester sur le champ de la loi ou du droit ? Surtout, je pense moins tendance à faire appel à la morale, parce que ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup dans les affaires de viol. La loi, elle ne le dit pas, en fait. La loi, elle est assez claire. Voilà, bon. Mais dès qu'il y a violence sexuelle ou de la sexualité, intimité évidemment forcée, etc. Mais à chaque fois, on convoque la morale. Donc on juge, on fait appel au bon sens, alors que le bon sens des unes n'est pas forcément le bon sens des autres. Et puis la morale comme ça, où on juge les femmes, et tu l'as dit très bien tout à l'heure, sur le viol comme ça, parfait, ce qu'on attend, la victime parfaite aussi. On attend d'elle qu'elle ne connaisse pas l'agresseur, qu'elle n'ait pas de jupe courte. Et je relisais les notes d'audience du procès d'Aix, donc de Gisèle Halimi en 78. Et le président... Il faut que tu réexpliques peut-être quel était le procès de Gisèle Halimi pour ceux qui n'ont jamais. Deux femmes, un couple de femmes qui passent un week-end dans les calanques de Marseille, entre Marseille et Cassis. Et qui, il y a un type qui vient les voir un soir, elle campe, et qui est très entreprenant et qui manifestement veut plus que simplement partager un verre de vin avec elle. Elle le rabroue directement et il revient deux jours après ou un jour après avec trois types, et là il les viole de manière extrêmement violente, assez monstrueuse. Et au départ, l'affaire est jugée au tribunal et pour coups et blessures volontaires. Donc requalifié, on écarte complètement le viol. Les avocates se battent pour que le viol soit reconnu et que ce soit dans une cour d'assises, ce qui a été le cas. Et donc ça a été un procès très politique. On compare beaucoup le procès actuel là à ça, en disant c'est hyper politique. Il y a une loi ensuite en 78-80, la loi sur le viol est précisée. Le viol était déjà un crime à l'époque, hein, contrairement à ce qu'on entend en fait. Hein. Mais ça a été précisé à ce moment-là. Bon, voilà, la loi était un peu plus efficace sur la peine et tout ça. Et donc on compare ce procès aujourd'hui à ce procès-là, les deux Gisèle, procès dans le sud, le viol, un procès étape historique, politique et tout. C'est toujours politique les procès en matière de violence sexuelle. De toute façon, c'est toujours politique. Qu'il y ait ou pas des caméras, qu'il y ait ou pas 50 mètres dans le box, c'est toujours politique. Et donc tout ça pour dire que le président dit à ce moment-là aux gendarmes qui étaient en charge de l'enquête comment étaient habillées les victimes, et le gendarme répond, je trouve ça assez génial, il répond, bah elles étaient habillées. Point en fait, je veux dire, ça suffit d'interroger la longueur de la jupe ou la présence ou pas d'un soutien-gorge, quoi. Et même si elles ne l'étaient pas d'ailleurs. Évidemment, mais il s'avère que là, elles étaient habillées. Je peux comprendre qu'en 78, c'était énorme quand même. C'était énorme de répondre ça, en fait, tu vois, pour un homme, par ailleurs, gendarme. Oui, c'est le gendarme, c'est pas une avocate engagée. Non, je trouvais ça déjà énorme, ça m'avait... Et il y a un truc qui me frappe, je pars un peu sur autre chose, mais il y a un truc qui me frappe, c'est que parfois ces affaires tiennent à la bonne volonté d'une ou deux personnes. Absolument. Au pire, au bon moment, et là, j'ai l'impression qu'on a un gendarme qui était zélé, qui avait. En tout cas, j'estime les choses, les idées au bon endroit. Et là, c'est un peu pareil dans cette affaire où on a eu notamment ce vigile. Absolument. Qui, en fait, voilà, a repéré, et j'ai regardé hier les images pour la première fois, qui a repéré Dominique Pilicaud filmant sous les jupes de plusieurs femmes. Il l'a suivi derrière plusieurs femmes pour s'assurer de ce qu'il voyait. Et ensuite, il est venu le voir. Et c'est lui qui a appelé la police et déclenché vraiment les choses. Qui a dit aux femmes, déposé plainte, on va regarder votre téléphone, restez là, j'appelle la police. Et qui a enclenché cette dynamique où du coup on a regardé son téléphone, il y a eu des images inquiétantes, puis son ordinateur, etc. Et donc c'est voilà, beaucoup de gens se diraient c'est pas mon boulot, moi je suis vigile, là ça va trop loin, et je vais pas m'impliquer là-dedans. Et là on a eu face à quelqu'un qui pourrait en rire même, tu sais, certains pourraient en rire en disant les hommes se protègent les uns les autres, comme les hommes là qui ont refusé de violer Gisèle Pélicaud mais qui n'ont pas pour autant appelé les services de police. Il y a une solidarité comme ça poisseuse, moins du tiers. Non mais ça c'est le point de cul, ça c'est un truc avec moi dans les affaires de viol. Les hommes se protègent, ça c'est le truc général. Et c'est pour ça que hier, avant-hier, Dominique Pilicaud qui dit je suis un violeur et vous aussi, faites pas semblant, vous étiez au courant, c'est assez marquant. Parce que ça me surprend pas qu'il ait choisi cette attitude-là. Et bon, ça a été décidé avec ses avocats, etc. Mais c'est quand même un pas vers le
voilà, peut-être on se protège pas cette fois-ci les uns les autres. Et là, il y a 15 hommes qui, 16 hommes qui reconnaissent les femmes et 35 qui contestent. Et de ce que tu dis aussi, ce qui est vrai aussi, c'est ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de petites violences sexuelles ou violences sexuelles qui sont pas graves. Absolument. En fait. Là, ce qu'il a fait, on pourrait se dire, bon, il filme sous les jupes en fait. En fait, ce que ça cache derrière en coulisses, c'est quelque chose de beaucoup plus grave. Donc, par exemple, j'ai lu là l'essai de Caroline Forest, le vertige de MeToo, où elle semble relativiser et nuancer. En fait, il n'y a rien à relativiser. Une proposition indécente, c'est déjà un début de quelque chose qui doit alerter, en fait. Voilà, on n'a pas à subir ça. Oui, c'est important de le dire. C'est un signe. Il n'y a pas de respect de la personne, qu'il y a une déshumanisation des femmes, parce que là, en plus, c'est beaucoup, beaucoup de femmes quoi, qui sont concernées. Moi, je trouve que le procès, comme tu l'as dit, Elsa, il met en avant à la fois le fait que ça peut être n'importe quel homme et que ce n'est pas le détraqué du parking, mais aussi cette violence que peuvent subir les victimes quand elles osent déjà porter plainte. Comment que leur plainte est prise en compte. On parle du vigile, mais j'ai lu un article aujourd'hui sur apparemment l'équipe de 4 fonctionnaires de police qui étaient du coup, dans le petit commissariat, qui ont pris le relais et qui ont dû apparemment se débrouiller, genre ils n'avaient pas le wifi dans le commissariat et ils avaient le téléphone de Dominique Pellicot mais ils ne pouvaient pas le laisser partir et garder le téléphone, donc apparemment un policier a dû capter le wifi d'un hôtel voisin pour pouvoir accéder aux applications sur le téléphone de Dominique Pellicot et voir qu'il y avait tout ce réseau mis en place, donc c'est absolument lunaire et je pense que cette conscience de à quel point c'est dur déjà de porter plainte, d'être pris au sérieux quand on porte plainte, d'être géré par des gens qui non seulement veulent bien faire leur travail mais qui en ont les moyens et ensuite ce qu'elle vit là-bas Gisèle Pellicot et le courage qu'elle a en refusant le huis clos et en rendant public ce procès qui est quand même un moment extrêmement douloureux, j'espère que ça va aider l'opinion publique à comprendre pourquoi c'est pas aussi simple de dire il faut porter plainte. C'est pas simple du tout d'être une victime parce que la Gisèle Pellicot devient carrément quasiment une accusée en fait. On peut peut-être passer l'extrait Cyril. Je pense avoir dit tout ce que je pouvais dire. C'est pas évident, bien évidemment. C'est un exercice de style qui n'est pas facile. Et puis, il y a aussi la pression de tous ces individus qui sont derrière moi. Et je sens bien qu'on essaye, au niveau des questions, de me piéger, bien évidemment. Donc, j'essaye de répondre le mieux possible. Et puis, il va falloir se battre jusqu'au bout, bien sûr, parce que ce procès va durer 4 mois. Voilà. C'est un peu la double peine, mais même si, comment dire, le mot est un peu bizarre. C'est compliqué d'être une victime, en fait, dans ce cadre-là. C'est toujours compliqué d'être une victime. On attend beaucoup, encore une fois, de la victime parfaite. On exige énormément d'elle. Et même là, j'entends, on dit « Oh, est-ce qu'elle est digne ?» Enfin, je veux dire, d'abord, c'est insupportable. Pourquoi elle ne le serait pas? Enfin, elle n'a pas à avoir honte de rien. Ce mot-là est agaçant. C'est agaçant. Toutes les victimes sont... Il n'y a pas une d'honneur, il n'y a pas de perte d'honneur ou de dignité. Il n'y a pas d'être... Des victimes indignes. On n'est pas indigne et puis on n'est pas là pour décerner des bons points. Elle fait comme elle peut. Elle pourrait arriver en pleurant. Elle serait quand même tout à fait courageuse. Ce serait hyper légitime de sa part. Exactement. Donc elle fait comme elle peut. Moi, j'ai quelques... Pardon. Non, je t'en prie. J'ai quelques alertes sur cette affaire que ça peut nous amener à penser. Parce que même, il y a beaucoup de choses très positives que fait cette affaire sur les conversations qu'on a autour des violences, etc. Mais il y a notamment cette idée de la victime modèle. Et donc, je pense que, effectivement, je l'admire énormément. Elle a un courage incroyable et tout ça est vrai. Mais attention, est-ce que ça crée pas que ça mette pas la barre un peu haut alors, évidemment, rien de tout ça n'est la faute de Gisèle Pellicot. Enfin, voilà. Mais... qu'on ne commence pas à comparer d'autres victimes à ce qu'elle a fait, même si elle avait accepté le huis clos, etc., choisi l'anonymat. Voilà, rien de tout ça aurait fait d'elle une victime moins courageuse, moins puissante, moins digne. Voilà, tout ça, c'est vraiment important de le reconnaître et qu'à l'avenir, d'autres victimes puissent se sentir légitimes à agir différemment si c'est ça qui peut les aider. J'ai envie de revenir un petit peu sur cette idée du continuum des violences. Donc, il n'y a pas de petites violences. On peut évidemment considérer des degrés. On parle de cette affaire comme étant particulièrement sordide, particulièrement atroce, et c'est vrai. Mais il faut faire très, très attention, je pense, notamment après cette affaire, quand elle sera terminée ou qu'on en parlera un petit peu moins, à que ça ne crée pas un effet de minimiser d'autres choses. Que bon, c'est que ça va, c'est quand même pas... T'as quand même pas vécu ce qu'a vécu Gisèle Pellicot et donc qui nous mènerait en tant que société à peut-être minimiser d'autres violences. Parce que c'est aussi les violences qu'on pourrait voir comme étant minimes qui mènent aux plus grandes et qui légitiment les plus grandes et qui voilà, c'est un effet un peu où les unes permettent aux autres d'exister et les unes minimisent les autres, etc. Et donc voilà, et ça on voit très bien. Dominique Pellicot est aussi pas quelqu'un qui d'un coup a craqué et a commencé à faire des choses très horribles d'un coup. Il a aussi fait ce qui peut être considéré comme des choses minimes, peut-être pour se légitimer, pour
tester les limites. Voilà, il peut y avoir plein de mécanismes, mais je pense qu'il faut rester vigilant sur tout ça. Il y a un téléaventurier qui pose une question qu'on a effleurée. On a commencé à ouvrir le tiroir, on l'a peut-être pas ouvert suffisamment, puisque un téléaventurier pose la question. Il me dit, j'aurais une question, quand ils veulent dire viol et viol, qu'est-ce que les avocats veulent dire derrière, en fait? Derrière ça, il y a quoi? Bon, il y a un problème, ouais. Déjà. Ouais. Oui, problème, déjà, il y a un problème. Quelle est l'intention de l'avocat, c'est ça? Qu'est-ce que l'avocat essaye de faire? Ouais. Dans ce paysage-là, qu'est-ce qu'il y a, en fait? Alors, il y en a un qui a plaidé le viol involontaire, comme si tout d'un coup, il était... rentrer en érection voilà, sans faire exprès dans Gisèle Pellicot, parce que c'est comme ça qu'il nous dit, hein, faut pas arrêter de prendre pour des cons non plus, hein, et des connes en l'occurrence. Et donc là, viol et viol, j'imagine qu'il veut dire que c'est pas ok moralement parce qu'elle était inerte, mais qu'il avait pas l'intention de le faire, donc elle le ressent comme ça, parce que finalement elle ne le savait pas, mais qu'en réalité, lui pensait que c'était ok, que c'était un jeu fantasmé d'un couple, en fait. Je pense que c'est ça qu'il essaye de nous de plaider. Mais c'est très inconfortable. C'est pas tout à fait efficace. Parce que la loi est claire, je veux dire, le viol par surprise. Mais est-ce qu'on peut faire un peu de lexique peut-être? C'est quoi un viol? C'est quoi une agression sexuelle? Le viol, c'est tout acte de pénétration sexuelle qui est commis par violence, donc c'est physique ou morale. Contrainte, c'est physique ou morale. La contrainte physique, en gros, on donne l'exemple de tenir les poignets, parce que c'est pas de la violence, mais c'est une voilà, contrainte morale. La menace, bon, on voit ce que c'est. Et puis la surprise. Et la surprise, c'est le consentement qui est surpris. C'est pas le diable qui sort de sa boîte, comme on pourrait imaginer, surprise. C'est le consentement qui est surpris. Ça veut dire que soit on n'est pas en état de consentir, parce qu'on comprend pas ce qui se passe, parce qu'on est trop jeune, donc c'est les enfants, parce qu'on a bu, volontairement ou pas d'ailleurs, parce qu'on est drogué, etc., volontairement ou pas. Bon. Et puis après, c'est aussi parce qu'on dort. Je veux dire. Et si on se décale un peu, on se dit qu'on va pas acheter ou vendre une voiture à quelqu'un qui dort, par exemple. Hein, si on dort, on peut pas vendre sa voiture. Bah, c'est pareil, en fait, pour un rapport sexuel. Alors après, on peut aussi accepter que dans un couple, il puisse y avoir les choses qui se définissent ensemble, consenties, éveillées, etc., et qu'ensuite on décide d'autres choses. Mais là, c'est pas du tout le cas. Gisèle Pellicot, elle a pas consenti ou signé pour ça. Et ce qui doit être très dur, moi, ce que je me dis là pour elle, c'est de rentrer dans une salle d'audience et d'avoir 50 hommes qu'elle ne connaît pas et de se dire qu'ils l'ont tous pénétré, qu'ils l'ont vu nu et qu'ils l'ont tous pénétré. Et elle disait au départ, moi je suis la femme d'un seul homme, c'est un mec bien. Là c'est vertigineux. On voit parfois des audiences où on a un violeur et 10 victimes. Dans ce sens-là, le rapport, on le connaît celui-là. Mais ça, c'est vrai que ça c'est pas... Et puis comme tu l'as dit, en fait, avec des profils qui sont extrêmement larges, 26 ans, 73 ans... tous les métiers possibles, voilà, il y a pas de monstre, il y a aucun monstre. Des bons pères de famille, des jeunes, des bons frères, etc. Des amis sympas, généreux, ouais, bien sûr. Mais ça, je suis contente que tu parles du côté. Il faut pas qu'après cette affaire, du coup, ça devienne un peu un maître étalon de l'horreur. Moi, ça m'interroge parce que depuis le début de l'audience et même depuis les premières révélations médiatiques sur l'affaire, je trouve qu'il y a un vrai discours et en soi, tant mieux. Moi, j'aime bien les discours optimistes de OK, il y aura un avant et un après ce procès. Et là, la société française sera obligée de comprendre l'omniprésence de la culture du viol. Le fait que ça peut être n'importe quel homme, pas tous les hommes, mais ça peut être n'importe quel homme, et c'est toujours un homme. Le fait qu'être drogué ou dormir n'est pas à consentir. Le fait que ça peut arriver à n'importe quelle femme, y compris une femme d'un certain âge, qui voilà, quand on la voit, c'est pas l'idée qu'on pourrait se faire d'une femme victime de viol, dans les clichés bien sûr qu'on a. Et que du coup, ce procès va mettre tout le monde en face de la réalité de la culture du viol. Pour moi, le fait, la barbarie de l'acte, le fait que ce soit aussi démesuré, c'est-à-dire, moi, de mémoire de 32 ans, je n'ai pas souvenir d'un crime aussi terrible qui a été médiatisé à ce moment-là avec cet aspect violence sexuelle. Pour moi, il y a un aspect limite serial killer. Il y a un film d'horreur actuellement au cinéma où c'est que je vais pas dire le titre parce que ça spoil un peu, mais c'est ça le propos. L'horreur, c'est qu'il y a des hommes qui kidnappent des femmes et qui les droguent pour les violer et qu'elles s'en rappellent pas. C'est un film d'horreur. Et du coup, je me demande si il va vraiment y avoir cet effet positif de bon, bah maintenant on sait c'est quoi la réalité des violences sexuelles, parce que oui, c'est ça, bien sûr, la réalité des violences sexuelles, c'est réel ce qui s'est passé, mais c'est beaucoup d'autres choses, et c'est important qu'on parle aussi des autres choses, y compris parce que les gars qui commettent les plus petites choses, comme voilà, les hommes qui filment sous les jupes des femmes dans les magasins, peuvent devenir ou sont parfois déjà les mêmes qui commettent les choses les plus monstrueuses. C'est la partie émergée de l'iceberg, en quelque sorte. Ouais. Ouais.
Bah, tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Et pour aller plus, enfin, pour revenir aussi sur cette idée du viol, définition du viol et de viol involontaire, moi j'aimerais bien qu'on arrête le bullshit. Voilà, je ne savais pas, c'est pas une excuse en fait. À partir du moment, enfin, je sais pas, j'ai envie de dire à une personne normalement constituée qui a une relation sexuelle avec quelqu'un d'autre, s'assure que l'autre a envie d'être là et est super content de partager ce moment. Je veux dire, même quand on fait, quand on va au bowling, on dit ah machin, t'es content, j'ai l'impression que tu fais un peu la tête, t'es content d'être au bowling, et d'un coup, quand on parle de sexualité, c'est « oh, je savais pas ». Bah non, non, mais stop, en fait. Enfin, moi, je pense que la question n'est pas « est-ce qu'il savait, est-ce qu'il savait pas ?» est-ce que, parce que la question... On dit aussi beaucoup quelque chose qui, je pense, est un peu vrai, mais qui est un peu piégeant aussi, c'est que le viol, c'est pas de la sexualité, c'est de la violence. Oui, dans les faits, oui, dans la façon dont c'est ressenti, et c'est important de le sortir de la sexualité, c'est un contact sexuel, etc., mais c'est pas un rapport, c'est-à-dire qu'une une personne qui a vécu un viol ne doit... Enfin, c'est important pour elle de pas voir ça comme étant dans sa vie sexuelle, qui est quelque chose de choisi, etc., donc c'est important de détacher et de dire qu'il n'y a pas de violence dans la sexualité et de séparer, mais... Je pense que c'est très très important de dire aussi qu'il n'y a pas que l'intention. C'est-à-dire que je pense que la plupart des violeurs ne savent pas qu'ils sont des violeurs, ne veulent pas violer. Et c'est ce que disait aussi un des accusés, là, Lionel quelque chose. Moi, je ne me suis pas réveillée le matin en disant « Tiens, je vais violer quelqu'un aujourd'hui ». Il était dans cette situation où il a dit « Ok, ça m'intéresse » et « Ah, ok, pourquoi pas ?» et « Ah, je me retrouve là-dedans » et je ne sais pas quoi. Alors qu'il pouvait partir. Et le truc de « Je ne savais pas », moi, je pense que le plus important à retenir, c'est qu'ils s'en foutent. Les violeurs s'en foutent si on est d'accord ou si on n'est pas d'accord. Ils ne voulaient pas savoir. Voilà, ils ne veulent pas savoir. Je pense que ça, c'est le truc le plus important. C'est, ah, je ne savais pas si elle était d'accord. Est-ce que, si tu t'étais posé 2 minutes la question, tu l'aurais su. Je ne savais pas oui. si tu voulais ou pas. Les situations un peu, la zone grise, le machin et tout, c'était pas clair. Il n'y a pas de zone grise, si c'est ça, il faut clair, arrêter avec ça. Si ce n'est pas clair, c'est que c'est non. Tu t'arrêtes et tu dis, ouais. Ça va, tu es sûr d'avoir envie d'être là, si tu veux, on s'arrête et on va boire un coup à la place. En fait... Il faut arrêter avec ces... Voilà, je m'énerve parce qu'il faut arrêter avec ces excuses, il faut arrêter avec ce bullshit. C'est facile de ne pas violer quelqu'un. Si on se pose la question, c'est qu'on n'est pas sûr, c'est que stop. Oui, dans le doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, en fait. Voilà, hein, c'est ça. Et que voilà. Donc, s'il y a un doute et que la personne le fait quand même, le violeur le fait quand même, c'est qu'il s'en foutait et qu'il voulait arriver à son objectif, il voulait avoir son plaisir, il voulait kiffer. Et souvent, d'ailleurs, le fait qu'il n'y ait pas consentement, etc., et aussi l'attrait, et ça, je pense qu'on peut aller aussi plus loin à la chose, c'est ah oui, elle dormait, du coup, je sais pas. Non, elle dormait, et c'est ça qui t'a intéressé aussi, et c'est sûrement ça qui t'a excité aussi. Peut-être pas tous, mais voilà, c'est sûr que ça, c'est un élément. Certains sont revenus six fois. Ça, voilà, et je pense que ça, c'est important aussi, et à titre personnel, en tant que victime, j'ai eu besoin de me dire ça, parce que je me concentrais beaucoup sur ce que moi j'ai fait. J'ai laissé faire, j'ai machin, j'ai ça. Et quelqu'un m'a dit non, mais lui, il est arrivé avec une intention. Et il s'en foutait, en fait. Et c'est pas que t'as laissé faire que machin et tout. Quelqu'un de bien intentionné ne viole pas, en fait. Et voilà, je pense que ça, c'est important de dire. Je ne sais pas comment ça se traduit dans la loi, mais voilà, c'est important. Oui, c'est une affaire qui parle, comme on l'a dit, de loi, de société, de morale aussi. Et juste, j'ajouterais qu'il y a, même dans les pratiques sexuelles alternatives ou atypiques, le consentement doit et peut être présent. D'ailleurs, dans ces communautés, c'est souvent quelque chose qui est plus réfléchi et expliqué que dans, je dirais, la même société. Écrit, dans genre, oui, parfois, même, même écrit. Mis sur papier. Et je ne parle pas de Fifty Shades of Grey, qui n'est pas un très bon manuel de relations de ce type-là. Mais en fait, ça passe par, à minimum, rencontrer les deux personnes impliquées. C'est vraiment, il n'y a rien de plus facile que de vérifier, surtout si on te présente un fantasme qui est quand même atypique et qui a un risque de, ok, est-ce que je suis sûre que la personne elle consent. En fait, tu vas boire un café avant et t'es là, ah ouais, du coup c'est votre délire, t'es contente, ça te plaît, bah super, on se voit mardi, salut quoi. C'est pas dur. Donc je suis d'accord avec toi qu'il faut arrêter aussi de nous prendre pour des quiches quoi. Ouais, et puis surtout il faut se dire, mais comment est-ce que des hommes ont envie de coucher et de pénétrer une femme qui est totalement inerte. Enfin ça dit quelque chose quand même. Ça dit quoi justement? Bah, le mépris, tu as raison. L'objet sexuel, elle parle de sac poubelle, et encore une fois, je trouve que l'image est tout à fait adaptée. Le pouvoir, l'humiliation, voilà, et puis d'être filmé par le mari qui est là et qui est très excité par ça aussi. Il y en a un qui dit au début, j'étais pas hyper à l'aise, et puis en fait, ça m'a excité. Bon, bah, c'est quand même comme d'ailleurs de voir une femme ou un homme pleurer. Dire non, hurler, etc. Il y en a que ça excite au contraire. Et c'est justement la domination. Et c'est la culture du viol. Et tu vois, là, tu parlais de ce roman, comme toutes les dark romances, là, en ce moment, où on voit cette espèce de... c'est la culture du viol, c'est-à-dire que c'est ce fantasme c'est quoi, du viol. C'est quoi la culture du viol? Mais c'est ce fantasme du viol là où finalement ça serait un truc qui pourrait être assez cool et que les femmes ou les hommes aimeraient être brutalisés et que c'est tous ces noms qui veulent dire oui. Et qu'au final le pouvoir il n'est pas du côté où on croit. Exactement. Et c'est aussi la pornographie, ce qu'on voit, c'est-à-dire évidemment. L'homme puissant, performant, la femme qui reçoit, qui adore avaler parce que c'est génial. Voilà, et qui aime être humiliée, et qui n'a pas de nom, qui n'a pas vraiment de visage, mais on voit des seins. Et
C'est et tout qui est de plus en plus violenté. Je pense que le contenu pour adultes mainstream d'il y a 20 ans n'est pas celui de maintenant sur les tubes, etc. Donc les grosses plateformes. Ouais. Et on est tout de suite de plus en plus confronté à des actes qui sont, certes, s'ils sont consentis, en soi, il n'y a pas de problème, chacun fait ce qu'il veut, mais qui sont normalisés et présentés comme ce que les hommes hétéros et les femmes hétéros aiment au lit, à savoir pour les hommes dominés et violentés, et pour les femmes être dominées et violentées. Et effectivement, ça devient assez vite, même si elle dit non, au final, c'est qu'elle pense oui, ce qui est un gros problème. Je suis contente que vous parliez de ça, parce que ça, c'est une dimension que nous, notre association, qui nous tient beaucoup à cœur et qu'on aimerait bien porter plus, et qu'on n'entend pas tant que ça dans les médias, cette dimension-là, le lien de cette affaire avec la pornographie, parce que, évidemment, beaucoup d'hommes regardaient, beaucoup des accusés, et c'est un scénario, la femme endormie, la femme inconsciente, c'est un scénario qu'on retrouve beaucoup dans la... De toute façon, tout, et c'est même une punchline, tous les scénarios existent dans la pornographie. Je veux dire des choses très crues, très dures, mais voilà, il y a des actualités sur la crise migratoire. Le lendemain, il y a des films porno sur des femmes qui portent le voile et qui doivent commettre des actes pour pouvoir traverser la frontière. Vraiment, ça, c'est un truc. Il y a une célébrité femme qui énerve un peu. Le lendemain, il y a des trucs. Les gens vont chercher, des hommes qui sont un peu embêtés par cette personne vont chercher des personnes qui lui ressemblent, des scénarios qui lui ressemblent, et vont en trouver. Il y a vraiment tout. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore cet univers-là tel qu'il est aujourd'hui, s'imaginent que c'est encore un peu la pornographie des années 80-90, que je ne défends pas non plus. Enfin, il faut avoir une conversation évidemment très masculin. Enfin voilà, je suis pas en train de dire que c'est normal. Bon, c'est une autre conversation, mais quelque chose de l'ordre de peut-être plus proche de la vraie sexualité des gens, mais juste filmé. Non, aujourd'hui, 80% au moins des actes qui sont disponibles en pornographie, c'est des actes d'une extrême violence, qui sont vraiment, pédocriminels, racistes, sexistes, évidemment, parce que c'est de la pure haine, en fait. Enfin, moi, je pense que pour aussi regarder ces choses-là et souhaiter avoir un contact sexuel avec une femme endormie, il faut avoir une haine pure des femmes, en fait. Ou une haine en soi, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de haine des femmes. Enfin, on parle du patriarcat, voilà. C'est la misogynie en œuvre, quoi. Et il y a des choses. Enfin bon, bref, je vais pas rentrer là-dedans. Il y a des choses d'une telle horreur. Et mainstream, facile à trouver, quoi. Et par les adultes, par les enfants, parce qu'il y a des lois qui sont sorties sur le blocage des sites par les enfants, mais les sites font tout pour empêcher ça. Enfin bref, aujourd'hui, c'est le fléau. Et en plus, quand on sait que Dominique Pilico a filmé pour le revoir, donc il crée sa propre pornographie. Donc, enfin, voilà, c'est quelque chose qui forcément est issu de cet univers-là, quoi. Il y a Kyle qui nous dit, salut Kyle, qui nous dit j'aimerais tellement qu'il y ait un avant et un après. Mais quand je vois les réactions de la plupart de mes connaissances masculines, j'ai malheureusement quelques doutes. Leur argument est le plus souvent qu'il n'y a rien à voir entre ces cas atroces et des petites choses. J'en viens vraiment à perdre espoir. Qu'est-ce qu'ils définissent comme des petites choses, du coup, faudrait peut-être leur demander. Je sais qu'un argument dont moi je suis pas fan, mais qui malheureusement fait parfois mouche chez certaines personnes, c'est ok, si c'était ta mère, genre les petites choses, si c'est filmé sous la jupe d'une femme dans un magasin, ou mettre une main aux fesses d'une femme à la caisse, ok, si c'est ta mère, si c'est ta sœur, si c'est ta fille. D'ailleurs, il le dit, le vigile, hein. Si ça avait été ma fille ou machin, je t'aurais ma mère. Je t'aurais dégommé. Et bon, je suis pas fan parce que les femmes devraient être respectées sans avoir besoin de faire partie de la famille d'un homme pour ça. Mais ça peut parfois marcher pour les hommes qui ont du mal à rentrer en empathie avec le fait que les petites violences sexistes et sexuelles, malheureusement, du quotidien, font partie de ce continuum, en fait. On n'est pas sur deux choses différentes. Dominique Pellico, je pense pas qu'il en arrive là et qu'il devient même qui il est s'il grandit pas dans cette société patriarcale dans laquelle peut-être qu'il y a d'autres Virgiles qui l'ont déjà chopé et qui, comme t'as dit, ont été un peu complices de soit alors mon cochon, dis donc, soit plus discret, soit bon, c'est un vieux pervers, mais je l'ai sorti du magasin, j'ai fait mon travail. Et en fait, c'est autant de signaux faibles que c'est ok ce que tu fais. Ça rentre dans ton rôle d'homme et d'autres hommes vont valider et même participer. Et tu dis la pornographie violente n'est pas difficile à trouver. Visiblement, il n'a pas eu de mal non plus à trouver des complices. Donc c'est ça aussi qui est terrifiant un petit peu dans cette affaire. À proximité, en plus, dans un... petit coin. On n'est pas à Manhattan. On n'est pas à Manhattan. Si je peux un peu définir ce que c'est que le continuum, parce qu'on en parle, mais peut-être... je ne sais pas si tout le monde connaît ce concept parmi les auditeurs. Qu'est-ce qu'on dit? Les viewers. Ceux qui nous regardent. C'est un peu un spectre. Continuum, c'est une espèce de ligne, en fait, ou comme un peu un spectre, un espèce de gradation, mais encore une fois, c'est pas l'idée qu'il y a des violences plus graves que d'autres, elles sont toutes graves, mais plutôt qu'il y a des petites violences qui vont légitimer les grandes et qui créent un climat. Donc par exemple,
les publicités hyper sexistes qu'on voit partout, et ben ça c'est un climat qui dit ah, ok, on voit des femmes dénudées, déshumanisées, etc., sexualisées, ok, c'est pas si grave, mais ça va un peu instiller un truc dans notre tête, ok, donc nous en tant que femmes, le modèle qu'on a c'est des femmes qui sont comme ça, et du coup on va un peu se créer une identité qui ressemble à ça, les garçons et les hommes voient ça et disent ah d'accord, du coup donc, voilà, on se prenne, enfin gagne une image des femmes qui est comme ça, et donc peut-être vont pouvoir reluquer les femmes autour d'eux, et ensuite, voilà, peut-être être un peu violent avec leurs copines au lit, et ensuite, voilà, se permettre des choses de plus en plus graves. Et voilà, c'est aussi ça qui va créer tout un climat qui encourage les hommes à être violents, parce que, voilà, on parle de patriarcat, on parle de « je vais couper court aux not all men », tout le monde ne fait pas ce qu'a fait Dominique Pellico, bien sûr, tous les hommes ne font pas ça, mais... on est dans un climat qui encourage ce genre de comportement et qui justement va aussi légitimer certains comportements qu'on peut voir comme moins graves parce qu'il y a des choses extrêmement graves, qui va aussi permettre aux gens qui juste ne sont pas aussi horribles de... Bah bah, c'est quelqu'un de bien parce que quand même il la frappe pas, etc. Et donc ça met la barre extrêmement bas en fait. Et c'est voilà, l'idée du continuum, c'est que c'est vraiment l'océan dans lequel nous on nage, nous les femmes, qui nous voient comme des objets, comme des victimes, comme voilà, un certain nombre de clichés sexistes et qui mènent à ces violences-là, une espèce de pyramide, je sais pas, l'iceberg, pas mal d'images qu'on peut utiliser, mais voilà, c'est ça ce concept. Et avec les idées reçues, comme on disait, la victime parfaite, mais aussi la pulsion sexuelle, on s'imagine et on voit les gens, il y a beaucoup de Français et de Françaises qui pensent que les hommes ont des pulsions sexuelles, c'est pas du tout documenté hein, médicalement, et que ils ont une sexualité qui est un énorme appétit sexuel et qui ne peuvent pas réfréner, donc d'où les prostituées, les films porno, et puis les viols. Et ça viendrait en fait excuser, parce qu'on se dit, bah mesdames, vous saviez que les hommes étaient dangereux, qu'il fallait se protéger, donc il fallait pas sortir le soir, il fallait pas prendre de la colle, c'est un inconnu. Oui, parce que ça vient le mène, mais il faut quand même se protéger de tous les hommes. Exactement. C'est ça qui est marrant. Donc ça vient déresponsabiliser l'homme et culpabiliser la femme, et ce renversement, on le voit d'ailleurs dès qu'on dépose plainte, en fait, où les questions sont posées. Si on se fait voler son téléphone portable, on vous dira pas, mais attends, il était hyper cher, tu l'as laissé sur la table, t'as même pas regardé. Enfin, évidemment, c'est ta faute, jamais on dira ça. Alors que pour un viol, on vient interroger le comportement de la victime. Et donc ça, c'est les idées reçues. Si ce procès permettait pouvoir balayer un peu ça, et aussi que les politiques s'en saisissent, parce que là, on n'entend pas grand monde, en fait, en politique sur ça. Hein. Les médias du monde entier sont là, sont très présents, suivent l'audience, etc. Mais en fait, les politiques et politiques hommes et femmes françaises ne bougent pas tellement, en fait. Et là, c'est peut-être le moment, on parlait beaucoup avant ça, de modifier la loi, intégrer la notion de consentement. Évidemment, c'est pas suffisant. La Fondation des Femmes propose, avec d'autres assos, une loi beaucoup plus intégrale, de tout revoir, en fait, de donner surtout plus de moyens, parce qu'en fait, là, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, les policiers qui n'ont pas le Wi-Fi, pas assez de policiers, là, il faudrait engager 5000 enquêteurs pour qu'ils puissent engorger toutes les plaintes, en fait, qui sont déposées depuis MeToo et que ça ne cesse d'augmenter, tant mieux. On nous dit la parole se libère, c'est surtout les coudes qui se libèrent, mais il faut pouvoir les recevoir, ces plaintes. Il y a des enquêtes qui durent des plombes, des médecins qui ne peuvent pas examiner les victimes parce qu'il n'y a pas de place. Donc des preuves qui ne sont pas récoltées, qui ne sont pas conservées, notamment là, les prélèvements de cheveux. Pour ce que demande d'ailleurs la fille de Gisèle Pellico, pour toutes les soumissions chimiques qu'on puisse voir, si une victime a ou pas été droguée au GHB ou au Temesta ou autre chose. Ça coûte des moyens, ça. Voilà, là, on est à 13 millions. Il faudrait 350 millions pour qu'on puisse arriver à un truc un peu sérieux. Donc voilà, ça, c'est peut-être le moment où les politiques peuvent dire il faut qu'on s'engage, là, vraiment. On vient d'évoquer la notion de consentement, le patriarcat, la culture du viol. Tu viens de parler de soumission chimique, c'est pas la première fois qu'on en parle. On a quand même mis un très gros projecteur sur ce phénomène dont on parlait quand même assez peu et dont la justice a eu du mal à se saisir, probablement à cause de la charge de la preuve, probablement parce que, comme tu viens de le dire, ça coûte cher. Pourtant, des cas, il y en a eu beaucoup, je crois. Et plein qui ne sont pas du tout documentés, parce qu'il y a des femmes qui arrivent... Parce qu'il y a des demi-cas, cette espèce de fausse zone grise. Ouais, alors il n'y a jamais de zone grise, mais des femmes qui, ou des hommes d'ailleurs, qui le lendemain matin se sentent donc pas très bien. Donc on estime être des zones grises. Ouais, et qui commencent à avoir des douleurs un peu génitales, donc ils se disent c'est bizarre, avec aucun souvenir si ce n'est quelques flashs. La honte, et puis surtout l'absence de souvenirs qui fait qu'on ne va pas déposer plainte en fait. Et puis peut-être qu'on y va une semaine après, parce qu'on a une bonne copine qui dit bah en fait si, là je pense qu'il y a eu un problème, puis regarde, t'as des bleus, etc. Sauf que c'est vrai que les policiers et policières ont malheureusement pas toujours le réflexe, le temps, les moyens de faire systématiquement en fait ce type d'examen. On a beaucoup parlé du GHB il y a 10-15 ans, on en parlait beaucoup, c'est la drogue du violeur et tout. Mais là j'ai l'impression qu'effectivement on en parle un peu moins.
On sait moins si c'est ça. Et par ailleurs, le GHB n'est pas la première drogue utilisée. Bien sûr que non. Ça a été médiatisé là, mais en fait, non. Puis on peut utiliser... De l'alcool, regarde, de la MDMA. C'est souvent de l'alcool, souvent des choses que, bah, au pire, bien on dit, bah, t'as bu. Exactement. Oui. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui nous dit que tu l'as pas fait volontairement? Sur le chat, j'ai vu qu'il y a El Protecteur qui s'interroge. Sur la culture du viol, c'est voilà, j'allais poser la question. Est-ce que, du coup, la culture du viol n'est le fait que des hommes, ou est-ce que les femmes y participent aussi? Et qui étant en disant que. Donc je pense que El Protecteur est un homme qui bon, dit. Après, il dit, si je comprends bien, je pense qu'il y a un peu d'ironie dans son propos. Oui, hein, oui, mais à le pour lire. Rejoindre un peu ce qu'on disait après, tout à l'heure. Et pour rebondir, parce que ça fait partie du même truc, il y a Jim Bezaki, salut, qui dit bah ouais, il y a beaucoup de femmes qui défendent le patriarcat. Parce qu'on les y conditionne et que c'est aussi une violence, pardon. Oui, bien sûr. En fait, quand on parle de culture du viol, quand on parle du continuum des violences sexuelles et quand on parle du bouillon de culture dans lequel nous, les femmes, on évolue, on parle du bouillon de culture dans lequel toute la société française, occidentale, etc. évolue, à savoir qu'on est tous et toutes élevés avec des idées sexistes et discriminantes et qu'on a tous et toutes des vécus individuels parce que El Protecteur dit bah, « moi j'ai des sœurs, j'ai une mère et j'ai pas l'impression que notre vie elle est différente, j'ai l'impression qu'elles sont à égalité avec moi, elles se font pas agresser tous les quatre matins, etc. » Alors je pense que déjà c'est bien, moi je conseille toujours d'ouvrir le dialogue parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses que les femmes vivent que tout simplement les hommes ne s'en rendent pas compte et c'est en fait juste se poser et dire « c'est vas-y, c'est quand la dernière fois qu'un mec a été incorrect avec toi, que ça soit le mec qui t'a sifflé dans le bus, ton patron qui t'appelle mon petit alors que vraiment il dit pas ça aux hommes, etc. Ça peut déjà ouvrir des prises de conscience. Et oui, bien sûr qu'il y a des femmes qui participent à la culture du viol, qui la nourrissent. Et là, bah, d'ailleurs, une des personnes de la défense qui fait un peu polémique, c'est une avocate de la défense qui... à des propos qu'on pourrait en tout cas estimer être pas très dans la sororité envers Gisèle Pellico. Bien sûr qu'il y a des femmes qui alimentent ces idées reçues, tout comme il y a des hommes qui luttent contre, mais dans cette culture du viol, par contre, il n'y a pas d'égalité dans la violence. Il n'y a pas d'égalité statistique dans la violence. Il y a beaucoup de femmes qui vont être capables de dire, bah, en même temps, t'as vu comment elle était habillée, elle l'a un peu cherchée, ou elle aurait pas dû rentrer avec ce garçon. Mmh. Elle sait bien ce qu'ils veulent tous les hommes, hein, comme tu disais. En plus, cette idée de... C'est tous un peu des loups en rut potentiels. Mais il n'y a pas autant de femmes Dominique Pellico que d'hommes Dominique Pellico. Il n'y a pas autant de violences sexuelles commises sur les hommes par les femmes que l'inverse, y compris quand on prend en compte le fait que les hommes s'en rendent potentiellement moins compte, portent moins plainte parce que bah, les violences sexuelles, c'est toujours vu comme une pénétration subie par une, en tout cas par une victime, qu'elle soit femme ou homme. Mais ça peut bien sûr arriver dans les autres cas. Même quand on prend ça en compte, il n'y a pas d'égalité au niveau des violences. Donc oui, la culture du viol peut exister chez chacun et chacune, mais elle ne se manifeste pas statistiquement de la même façon chez les hommes et les femmes. Moi, je n'ai pas un pote qui s'est pris une main au cul dans la rue ou à qui on a demandé « tu veux me sucer ?»« Oh là là, tu as l'air d'avoir une grosse bite. » Enfin, moi, j'ai aucun pote qui a vécu ça. Hein. J'ai des démonstrations un peu de virilité et de violence entre mecs dans la rue peut-être, mais moi j'ai jamais vu de pote qui a eu des problèmes comme ça ou qui s'est fait draguer au boulot de manière vraiment insistante ou voilà, méprisante enfin. Donc, moi ça, j'en ai y a, en vrai, des hommes de viol bon, ça ouais, existe, ça oui, existe, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas du tout dans la même proportion, je pense que c'est moins, ouais. Enfin, tu vois, en tout cas là c'est pas existe, mes potes filles m'expliquent encore aujourd'hui là des trucs qu'elles se prennent, des regards, des réflexions. Mes potes, par exemple, ils n'ont pas peur de rentrer le soir à pied, bourrés d'une soirée. Tu vois, ils n'y pensent même pas. Je veux dire, moi, j'y pense en fait. Je ne rentre pas toute seule à pied si je traverse Paris alors que j'adore marcher. Je fais un peu gaffe. Bon, bah, on n'est pas conditionnés de la même manière. On nous demande, nous, de faire attention. Et on considère effectivement, encore une fois, que les hommes ont un appétit sexuel important et que les femmes, en revanche, pas vraiment, enfin, je veux dire qu'elles aiment pas ça et que c'est pas quelque chose. La société n'est pas du tout équilibrée sur ça. Et puis, il y a aussi autre chose qui est une idée reçue pendant les audiences, et c'est normal, les experts psychologues et psychiatres qui viennent parler les accusés pour dire un peu qui ils sont, parce que c'est aussi ça, de juger un homme, des hommes, c'est important de savoir qui il est au-delà de ce qu'il a fait. Et notamment comme Dominique Pellico, on voit qu'il a été, c'est ce qu'il nous explique, violé dans son enfance. Et c'est vrai que ça nous rassure toujours un peu, parce que c'est un début de réponse à pourquoi il l'a fait, parce qu'il a été victime. Ça enlève un peu du monstre. Ouais, alors encore une fois, il n'y a pas de monstre non plus, il y a des actes monstrueux, mais il n'y a pas de monstre, oui. C'est des gens comme nous en fait, hein. Oui. C'est ça qui fait un peu froid dans le dos. Monsieur tout le monde, hein, ce type. Au départ. Mais en fait, il faut faire attention à ça parce qu'il n'y a pas de reproduction de fatalité. Parce qu'en fait, les femmes qui sont majoritairement violées ou frappées, bah, elles ne violent pas derrière, en fait. Hein. Elles ne violent exactement. Pas, elles ne frappent pas. Donc attention à ce truc un peu rapide qui peut être une piste de réflexion intéressante, mais qui n'est pas une réponse de, ah bah voilà, il a été victime. Bah non, parce qu'en fait, les femmes, 90% des victimes, 95% sont des femmes, et les auteurs, c'est 95% des hommes. Donc il y a un petit truc là qui... Ah, bon, peut-être qu'on peut se mettre d'accord là-dessus aussi, en fait. Les maths ne matent pas. Ouais. Ouais, ça, ouais, ça,
Il n'est pas bon, le compte. Exactement. J'aimerais revenir sur pas mal de choses qui ont été dites. L'idée que les femmes reproduisent aussi les stéréotypes de misogynie, etc., c'est tout à fait vrai. Je pense qu'on ne peut pas le nier. On appelle ça la misogynie internalisée. C'est-à-dire que c'est une misogynie, mais qui, du coup, est vécue différemment parce qu'on en est nous-mêmes victimes. Et on la reproduit sur nous-mêmes. Et je pense que ça, tous les groupes opprimés... C'est un mécanisme de défense. Voilà, c'est plein de choses. C'est notamment un mécanisme exactement, de défense, de survie, en fait, face au groupe dominant, que sont les hommes. Il y a l'idée un peu de diviser pour mieux régner. On voit souvent que le fait que les femmes en soient souvent posées en rivales, qu'on se batte un peu les unes les autres, notamment sur les attraits physiques ou pour l'affection d'un homme, etc., ou alors qu'on soit pas d'accord sur plein de choses, ce truc là d'essayer de nous faire nous entre-déchirer, ça c'est complètement aussi une stratégie patriarcale pour qu'on puisse être escontrancé là-dessus et ne pas lutter. Et c'est pour ça que vraiment la sororité, le fait de parler entre nous, partager nos expériences, essayer de lutter ensemble, c'est vraiment la pierre fondatrice pour faire changer les choses. J'ai une copine qui appelle ça, j'aime bien, le patriarcat par femme interposée. Donc merci Lucie, je trouve ça vachement bien parce que ça lève un peu de responsabilité quand même, parce que pour moi c'est important de pas voir les femmes qui reproduisent ça comme les hommes qui reproduisent ça, et de pas voir ça, bon, de toute façon les femmes aussi le font, donc elles sont aussi mauvaises que les hommes, non, parce qu'elles sont aussi victimes et qu'il y a plein d'autres mécanismes qui se mettent en place, et qu'il y a aussi du déni parce qu'elles disent non, moi je vais refuser de reconnaître ce que toi t'as vécu parce que j'ai vécu la même chose et que c'est trop douloureux pour moi de faire ce travail là enfin il y a plein de mécanismes qui se mettent en place, et donc c'est important de voir que le sexisme chez les femmes c'est pas la même chose exactement qui se passe et qui s'exprime. Et je ne sais plus comment ça a été apporté, mais l'idée que les hommes se disent les femmes autour de moi n'ont pas vécu des tas de violences et tout. Oui, c'est quelqu'un sur le chat qui disait pour moi, déjà, on vit à égalité. Déjà, je pense que beaucoup de femmes ne le réalisent pas. Moi, j'ai des copines qui disent moi, mais jamais rien arrivé, et qui, 10 minutes après, disent ah oui, c'est vrai que j'avais un mec qui a fait ça, bon, je n'étais pas trop d'accord, et je suis là. Il ne m'est jamais rien arrivé à part ce mec qui m'a suivi jusqu'à chez moi à 2h du matin. J'ai claqué la porte sur son pied et aussi j'ai demandé à mon mec de venir dormir avec moi cette nuit-là. Mais à part ça, il ne m'est jamais arrivé. Ouais. Ou alors, ah ouais, mon ex, des fois, il enlevait la capote et bon, j'étais là. Bon, c'est dur de dire à une femme c'était une violence, mais des fois j'ai envie de dire oh, ok. Donc je pense que vraiment on a toutes vécu des trucs en fait. Enfin, et donc c'est important en tant qu'homme, si on a l'impression qu'on n'a pas entendu ces histoires-là autour de nous, de se demander si on est un allié peut-être suffisamment présent et qu'on crée un climat où les femmes ont envie de se confier et de pas hésiter à être à l'écoute. Évidemment, pas inciter les femmes à partager des trucs durs, mais juste peut-être montrer qu'on peut être présent et que si elles veulent partager des choses, qu'on peut être digne de confiance. Je pense que MeToo, il y a des bilan un peu mitigé des années après, mais il y a quand même quelque chose que ça a fait, c'est montrer à quel point on est toutes concernées, quoi. Et que tous les mecs disaient oh là là, d'un coup, tous les meufs sur Facebook, toutes les meufs que je suis, elles disent qu'elles ont été agressées. Dis donc, dans ce cas-là, vraiment, ouais, c'est ça, elle était là. Mais du coup, c'est presque. Toutes les femmes maintenant. Alors, ah, bah si c'est ça, moi aussi, je suis un violeur, elle était là. Oui, pardon, on rigole jaune, évidemment. Oui, mais bon, nous, on a le droit. Voilà, c'est pour supporter. C'est une période pour les femmes, pour les femmes féministes et tout, c'est dur, cette actualité. Ouais. Hein. C'est des trucs qu'on répète, ouais, c'est ça, ça soulève un peu le cœur parfois. Oui, il y a sûrement des choses aussi qu'on pourrait dire sur l'idée des pulsions sexuelles. Moi, j'ai lu un truc il n'y a pas longtemps et ça m'a frappé. Que j'ai pas réfléchi avant, mais je sais plus, c'était un truc en anglais. Quelqu'un qui parlait du fait que les hommes ont souvent l'impression qu'ils proposent à leur copine ou leur femme et qu'elle dit non. Il y a ce truc-là de les mecs ont plus souvent envie de coucher avec leur femme et qu'elle dit non. C'est un peu un truc qu'on entend. Voilà. Mm-hmm. Et en fait, c'est hautement contestable. En tout cas, c'est souvent dit que. Et puis elle s'est mise un peu de. Elle dit qu'elle a mal à la tête, qui est juste. En fait, si elle doit trouver une excuse. C'est pour te dire qu'elle a pas envie. Voilà. Mm-hmm. C'est que pose-toi les questions si elle doit te dire qu'elle a mal pour que juste tu lui sautes pas dessus parce qu'elle a pas envie. Enfin bon, bref. Et en fait, la personne qui avait. Je crois que c'était un psy qui avait recueilli ces infos-là, avait posé la question à plein de femmes genre, est-ce que ton mec te dit non quand t'as envie. Elle dit non, mais je lui propose pas tout le temps. Quand je vois qu'il a passé une mauvaise journée, quand je vois qu'il est en train de faire la vaisselle, ouais, quand je vois que c'est pas le moment, je lui propose pas. Je lui propose quand je sens que peut-être ça va le faire, en fait. Et ça m'a frappé d'un coup. Je l'avais, évidemment. Alors là, on parle des couples hétéros et tout, donc ça n'explique pas tout, mais il y a un truc un peu que j'ai réalisé où on croit. Enfin,
c'est une question de choisir son moment, en fait. Je veux dire, les femmes ont envie de sexualité. Il y a des niveaux différents de libido selon les personnes, mais c'est pas du tout plus chez les hommes c'est que chez les femmes. Et ça, c'est encore un mythe qu'on entend énormément. Absolument. C'est juste qu'il y a une culture qui encourage ce comportement des hommes et qui décourage celui des femmes. Qui dit aux hommes qu'ils ont un appétit et que c'est une façon de montrer leur virilité aussi. Ils sont conditionnés comme ça. Et qui nous dit que nous, femmes, on doit accepter cet appétit, mais que nous, faut pas qu'on soit trop entrepreneuse non plus, parce que quand même, il faut respecter. Il y a quand même un nombre de personnes avec qui il faut avoir couché pour être pas trop sur la. Ouais, c'est ça aussi, t'as raison, c'est aussi ça la culture du viol. C'est aussi de dire que les filles qui couchent avec plein de mecs, c'est des nymphos et des filles faciles, alors que les mecs, c'est des tombeurs. Et il y a un truc qu'on dit pas non plus dans les procès pour les viols, parce qu'elle est hyper pudique, la justice. D'abord, elle emploie des termes un peu compliqués, pénétration, pénienne, vaginale, enfin, elle met beaucoup à distance. Et un truc que les victimes disent assez peu, c'est à quel point ça fait mal quand on n'a pas envie, en fait, parce qu'on a la violence. À 100%. Voilà, mais à quel point ça peut faire mal. Et Gisèle Pellico, ce qui est terrible, c'est qu'elle s'est réveillée avec certaines douleurs, des gènes, et puis de nombreuses infections et MST, enfin bon, parce qu'ils demandaient aux mecs de ne pas se protéger en plus. Il y a vraiment un truc là qui est, qui est vraiment dans le mépris et dans la haine. Alors lui, il dit, c'est pas par haine que j'ai fait ça, je l'aime, etc. Mais là, il y a quelque chose, il expose sa femme, peut-être pas à une grossesse, mais en tout cas à être malade, et elle l'a été. Aucune gynéco n'a vu, ça c'est un peu curieux, mais bon, j'ai pas accès au dossier. Mais en tout cas, la douleur des victimes, au-delà de la façon dont elles ont pu avoir peur, être méprisées, etc., avoir honte derrière, cette douleur physique, ça on n'en parle pas, et c'est dommage parce que c'est vraiment un truc qui marque après. Et qui revient beaucoup. Complètement. Qui ampute le corps. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui voient un viol comme juste un moment de sexe dont on n'avait pas envie, mais... Enfin, ils ne se rendent pas forcément compte de ce que ça veut dire un moment de sexe dont on n'a pas envie. C'est de la physiquement, psychologiquement, etc. Ça peut vraiment s'apparenter à de la torture, en fait. Physique, mentale, émotionnelle, une dépossession de son corps. Et ça, vraiment, c'est un crime à part. Hein. Beaucoup d'hommes hétéros le comprennent si on leur fait imaginer qu'ils sont victimes d'un homme qui, eux, leur impose une relation sexuelle. Avec pénétration. Parce qu'il y a cette idée où, du coup, ils auraient le rôle de la femme, de la victime, qu'ils auraient le rôle de la personne pénétrée. Et que c'est plus facile pour eux de comprendre ce non-désir parce que c'est un corps qu'ils ne désirent pas de base. Qui parfois, il y a un dégoût de par l'homophobie intériorisée par le patriarcat, alors que... Et du coup, parfois, c'est ça qui leur permet de comprendre. Ah oui, ok. Je peux comprendre que c'est pas juste du sexe pas agréable, c'est quelque chose de terrifiant, de douloureux, de violent, à plein de niveaux. Et j'espère vraiment, déjà, évidemment, que le procès... ne rendra pas des verdicts qui vont tous et toutes nous déprimer, qu'il y aura une forme de justice en tout cas, qu'on pourra sortir de là, Gisèle Pellico en premier et sa famille aussi, je pense notamment à sa fille, à tout ce que ça comprend pour toute cette famille et toutes ces familles derrière qui ont été détruites par la cruauté d'une poignée d'hommes, enfin mais d'une poignée beaucoup trop grande déjà. Donc j'espère qu'après, déjà qu'il y aura un sentiment de justice et qu'elle sera accompagnée, aidée pour se reconstruire de non seulement avoir vécu des violences sexuelles absolument atroces de la part de son mari qui est quand même l'homme, le père de ses enfants, l'homme, de sa vie, l'homme qui est censé fait, la protéger, prendre soin d'elle, non pas parce que c'est une femme mais parce que c'est la personne qu'il aime tout simplement. Et qu'elle a choisi. Et de la publicité, du fait que Gisèle Pellico, pendant des années et des années, ça sera toujours pour plein de gens synonyme de c'est la femme qui a été violée. Puis là elle accepte du coup que les vidéos soient diffusées après chaque interrogatoire d'accusé et de manière publique. C'est quand même d'un courage fou et c'est vraiment pour prévenir, pour faire de la pédagogie aussi en dehors de la salle d'audience. Et donc, je ne sais pas comment elle sortira de là et je ne sais pas comment on se reconstruit de ça en fait. C'est compliqué là. Bah, en tout cas, ce qui est bien entre guillemets, c'est qu'en 2024, je pense que y a plus d'assauts qui sont en tout cas connus, comme Oser le Féminisme, comme la Fondation. Enfin, je dis assauts au sens large, de structure en tout cas, de soutien, d'interlocutrice et même de. J'ai vu qu'il y a des personnes qui se réunissent devant le tribunal pour l'applaudir quand elle arrive et quand elle part. Enfin, et tous ces messages de soutien, bien sûr, qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est déjà ça, même si évidemment rien ne guérit l'horreur qu'elle a vécue, mais c'est. Oui, et puis là, il a tout bafoué, parce qu'au-delà, évidemment, bien sûr, des viols, bien sûr, mais c'est toute cette famille, tous les souvenirs qu'ils avaient ensemble. C'est ce que disait l'avocat de la fille, et c'est très juste, il dit en fait, tous les souvenirs de vacances et déjeuner du dimanche, enfin, rien n'existait vraiment. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, il y a un raz-de-marée qui est d'une violence, il n'y a plus rien, on ne peut plus s'accrocher à rien, il n'y a rien de tangible, il n'y a rien de vrai, en fait, derrière ce type qu'il pensait connaître. Ce père, ce mari, qui avait l'air plutôt... C'est terrible, je trouve. J'imagine qu'il y a des questions, mais je peux dire un petit mot en réaction à ça. Je fais un petit peu lien aussi avec notre affaire qui était dans les médias récemment, l'affaire de l'abbé Pierre, qui était
vu comme quelqu'un de déjà une figure religieuse, une figure de la solidarité, on va dire. Iconique, ouais. Extrêmement célèbre, donc il y avait tout ça. Et on a un peu ça aussi à minima avec Dominique Pellico, qui était apparemment, qui avait en tout cas arrivé à se construire une image de super mari, de quelqu'un de vraiment bien, etc., jusqu'à il y a 4 ans, quand tous les faits ont été avérés. C'est pas une coïncidence ou une truc. Enfin, c'est particulièrement sordide parce que, en fait, ça fait partie de la stratégie aussi. Mm-hmm. Donc, je pense que souvent, les gens voient, ont du mal à croire qu'il y a eu violence parce que c'était quelqu'un de vraiment bien. Et t'es là, non. Je dis pas que c'est forcément ce qu'a fait Dominique Pellico, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait partie, on va dire, en général, des stratégies des agresseurs. C'était non. S'il avait envie de commettre des actes atroces, c'était tout à son avantage de se construire une image de quelqu'un de vachement lisse, de super, sympa avec tout le monde. Mais il est gentil avec tout le monde. Bah oui, pour que tu ne crois pas que derrière il violait sa femme. Mmh. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est le cas avec tous les cas de violence conjugale notamment, ou de violence sexuelle dans le couple. Et sa fille d'ailleurs, voilà, elle dénonce un peu un climat un peu incestuel à la maison, en fait. Les petits-enfants aussi. Alors lui a toujours dit, moi j'ai pas touché à mes petits-enfants, etc. Mais il voulait jouer au docteur avec eux, il se masturbait à la porte ouverte, il avait filmé ses belles filles. Bon, il y a quand même quelque chose à la maison qui sent le moisi. Hein, il est pas. Alors il est lisse pour les voisins, ils le sont souvent, hein, lisse pour les voisins. Et pour sa femme, évidemment, parce qu'elle veut même pas imaginer d'ailleurs qu'il ait pu agresser sa fille, dont on a retrouvé quand même des photos dans son ordinateur, endormie dans une tenue. Le fait d'avoir fait ça, c'est tellement déjà de la prédation sexuelle. C'est déjà fait. Enfin, il y a déjà une violence, en fait, de faire ça. Mais effectivement, déjà, c'est pas tout à fait vrai. Souvent, il y a d'autres signes. Je pense qu'il faut faire très, très attention à cette idée-là. Ça fait partie. Voilà, c'est exprès. Les stratégies de l'agresseur. C'est exprès. Absolument. Et c'est le cas des gens célèbres. T'es là, il aurait pas fait ça, il est célèbre. T'es là. Mais justement, ça le protège. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de pulsion, il sait très bien quand il peut le faire, comment il le fait. C'est hyper organisé. C'est pas le truc comme ça. Donc il n'y a pas de pulsion. Il faut arrêter avec ça. À tout point de vue, il faut arrêter avec cette idée des pulsions. Ouais. Mais c'est pareil, voilà. Pourquoi il est prêtre, il ne ferait pas ça. Ouais, mais tu ne crois pas que si quelqu'un avait envie d'agresser, ça l'arrangerait de faire partie d'une institution qui va le protéger. Enfin voilà, c'est des choses. C'est important de recadrer un peu ces réflexions-là et dézoomer un petit peu et de dire qu'est-ce qui se passe là, politiquement, socialement, dans la tête de ces gens-là. À qui profite le crime? Absolument. Voilà. Comment rester masqué dans l'impunité? Il achète son impunité avec pendant plus de 10 ans. On a vu que dans la notion de viol, il y avait la notion de consentement qui peut-être devait évoluer. Il y a aussi, de mon point de vue, mes maîtres, tu vas le dire mieux que moi peut-être, il y a la preuve, c'est dur à prouver un viol. Comment on fait? Comment on peut faire évoluer le droit pour que ce soit plus facile pour les victimes? Alors, c'est pas la victime qui rapporte la preuve, c'est le procureur, donc c'est l'État. Mais en vrai, c'est pas la parole de l'une contre la parole de l'autre. Ça, on l'a beaucoup dit, souvent. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas toujours des témoins, des caméras et des films, comme dans ce dossier. Enfin, en l'occurrence, si on n'avait pas eu les vidéos de M. Pellico, on n'aurait rien su. Lui n'aurait rien dit. Il se serait rien passé, il aurait continué, il aurait été condamné. Parce qu'il y avait des preuves physiques, mais les médecins ne les ont pas vues. Les médecins ne les ont pas vues, elle était fatiguée, elle n'allait pas bien, elle avait plein de MST, et son mari disait « Mais qu'est-ce que tu fais dans la journée quand je ne suis pas là ?» Enfin, je veux dire... C'est le cynisme jusqu'au bout de cet homme, quand même. Et cette femme qui se disait, mais c'est vrai, c'est bizarre, pourquoi je multiplie... Le sadisme, là, ouais, vraiment. Donc, il y a la parole de l'une, la parole de l'autre, qu'on peut corroborer par, d'abord, les preuves qu'on peut récolter physiques. Donc, c'est ça, ce qu'on dit, les prélèvements de cheveux. De pouvoir tout de suite donner un rendez-vous, si elle dépose plainte rapidement, chez un médecin, pour regarder, donc médecin légiste, légal, pour regarder les traces qu'il peut y avoir. Et puis aussi, ne pas sous-estimer l'importance du psychotrauma, parce qu'en fait, c'est pas simplement une idée de féministe et d'association. Hein. Je veux dire, c'est hyper documenté par des neurologues. Alors, on parle de Muriel Salmona, mais il y en a d'autres qui l'ont documenté. Ça fait des traces dans le cerveau, le trauma, quand on est victime d'un acte terrorisme ou d'un viol. Et donc ça, c'est aussi un élément qui permet de corroborer ça, l'état de la victime après. Et puis après, chaque enquête doit permettre aussi, en fonction des éléments, de corroborer le lieu où elle était, où elle a dit qu'elle était venue, de l'auteur, est-ce qu'il a eu d'autres antécédents de violence sexuelle ou pas, enfin voilà, différents éléments. Mais ce n'est pas que la parole de l'une contre la parole de l'autre. Souvent, quand même, on peut se demander quel intérêt aurait la victime de mentir. C'est une question qui est toujours posée. La question, elle porte plainte pour l'attention, pour avoir de l'argent. Apparemment, ça rapporte des sous d'être victime de viol. Perso, j'ai pas eu mon chèque, mais un jour peut-être. C'est une question qui est toujours posée à l'auteur assez rapidement par les policiers. C'est une question réflexe
à laquelle en vrai il est difficile de répondre parce qu'on n'est pas dans la tête de l'autre, donc c'est pas un élément à ce point-là tangible, ça vient, c'est un indice en plus, ça vient corroborer un peu les choses, mais c'est pas le truc central. Mais tu as raison, évidemment, quel intérêt de répéter 15 fois les choses, se retrouver confronté comme ça, d'être les années de procédure pour récupérer pour un viol 26 000 euros, ouais. C'est un ami qui m'en a parlé récemment, qui me dit, mais qui est pas très sensibilisé, et qui m'a dit, mais enfin, est-ce qu'il y a quand même des fausses déclarations? Il doit y en avoir. Je fais, alors il y en a peut-être, mais réfléchis politiquement. Ok, cite-moi un homme dont la vie a été un homme célèbre dont la vie a été ruinée par des fausses accusations. Déjà, cite-moi un homme dont la vie a été ruinée parce qu'après qu'il était condamné. Voilà, j'en ai deux, trois des exemples. Roman Polanski, Johnny Depp avait été condamné, hein, je le rappelle, pour violence conjugale. Voilà, les deux premiers exemples que je peux avoir en tête. Il y en a sûrement d'autres. Donc voilà, factuellement, il est où l'intérêt à faire des accusations, voilà. Et puis on dit ça pour quelle ça, femme on dit a vu ça. Non, mais il peut y en avoir. Une plainte. Non, mais il peut y en avoir. C'est pas la question, mais c'est pas la majorité de toute façon. Enfin, je veux dire, c'est pas la majorité, donc c'est pas intéressant de s'arrêter sur deux femmes qui peuvent mentir parce que finalement elles accusent X alors que c'est Y. Ouais. Je veux dire, bon, c'est pas passionnant. Ça me paraît. Mais l'avantage n'est pas vraiment pas là. C'est ça aussi. Évidemment. Mesdames, il est 18h58, passé de 28 secondes, et c'est dans 1 minute 30 l'heure de nous quitter. Est-ce que ce ne serait pas le moment du mot de la fin, Elsa? Je te prends comme ça, c'est la patate chaude de la fin, parce que je vois qu'il y a mon boys club qui est arrivé. Merci, après les canapés. Je ne suis pas prête, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Si tu veux, moi j'ai un mot de la fin. Vas-y, je réfléchis comme ça. Brainstorm. J'aimerais vraiment appeler du coup les viewers et les gens qui rattraperont cette émission à prendre soin spécifiquement un petit peu en ce moment des femmes de leur vie, qu'elles aient été à votre connaissance ou pas victimes de choses. Déjà elles l'ont probablement été à un niveau plus ou moins grave, et puis elles sont pas obligées de vous en parler, mais en fait peu importe, je trouve que c'est vraiment dur comme période, comme actu en tant que femme, parce que essayez de vous mettre à la place de qu'est-ce qui... En tant que femme, on regarde ce procès, qu'est-ce qui nous dit que notre mec il fait pas ça? Et genre oui, c'est absurde, bien sûr que non, mon mec il fait pas ça, mais Gisèle Pellico aussi, elle croyait pas que son mec ferait ça. Et ce truc de comme on dit, de monstres, mais qui sont pas des monstres, en tout cas d'hommes qui sont capables de cette cruauté, qui peuvent être n'importe où parmi nous dans notre entourage, y compris dans nos foyers les plus intimes et les plus normalement sécuritaires. Perso, c'est compliqué émotionnellement à suivre cette affaire, c'est compliqué d'en parler, et ça draine un peu le moral en ce moment. Donc voilà, peut-être soyez un peu spécifiquement bienveillants et empathiques avec notamment les femmes qui vous entourent en ce moment, parce que c'est bien que ça soit aussi médiatisé, mais c'est pas simple d'être confronté en permanence, et y compris sur les réseaux, à toute l'horreur qui se déploie dans ce procès. Est-ce que quelqu'un, quelqu'une, a quelque chose à ajouter? J'ai envie de faire un petit peu écho à ça en m'adressant aux personnes qui cherchent à détourner un peu le débat en disant « mais tous les hommes ne sont pas comme ça, le not all men », on n'en a pas parlé, mais... On peut faire un autre stream. C'est pas là, voilà, complètement, on est là, enfin moi je suis là. Attention, je vais taper. C'est vraiment à minima déplacé en fait, c'est juste tellement, tellement déplacé d'avoir ce genre de discours face à ce que vit Gisèle et sa famille. Mais en fait, si vous voulez montrer que vous n'êtes pas comme ça, montrez-le. Si vous voulez être un allié, voilà, comme tu l'as dit, c'est possible de le faire. Montrez que détachez-vous vraiment de cette mec-là, pas de façon performative en le disant, mais en essayant de vous demander si vous n'avez pas eu des comportements qui, peut-être d'une façon ou d'une autre, légitiment ce genre de choses. Essayez de vraiment interroger ce qui se passe et écouter les femmes autour de vous. Et moi, je dirais que c'est un procès politique. On aimerait que les politiques s'en saisissent. Et donc avoir une loi intégrale qui soit adaptée, c'est un sujet sérieux, on a besoin d'un budget plus important, et c'est pas vulgaire de parler d'argent là, c'est très important, et donc là c'était 350 millions, ce qui était calculé par les assos pour les violences sexuelles, 2,6 milliards pour les violences sexuelles et sexistes, on a 20 ans de retard sur l'Espagne, et peut-être temps de le rattraper quoi. 19h01, passé de 7 secondes. Merci Zoé Royo, merci Mimi, merci Elsa Labouret, merci Bouchasse, merci. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Je vous remets entre les mains de Jeanne, qui devrait s'avérer un guide utile pour retrouver la lumière du jour après le labyrinthe de couloirs de la maison de la radio et la musique. On quitte la cour criminelle du Vaucluse et on referme au moins le temps d'une heure nos manuels de droit pénal pour les échanger contre une constitution, certainement aussi un ou deux précis de droit constitutionnel et la rumeur d'un nouveau gouvernement qui pourrait être bien annoncé avant la fin de semaine. Bonsoir messieurs, je vous en prie, installez-vous. Jean-Philippe de Rosier, je vous ai mis ici. Bruno Cotresse, vous êtes au milieu. Emmanuel Rivière, en face de moi, ça vous va. Messieurs, vous avez de l'eau, n'hésitez pas à vous servir. Il faut juste remettre la bouteille en dessous, sinon elle apparaît au milieu de votre torse et c'est pas très joli. Vous avez chacun un micro.
Il faut bien le... Il est très directionnel, le micro. Et il faut éviter à tout prix de le prendre par sa base avec la connectique. Bonsoir à tous les trois. Emmanuel Rivière, vous êtes politologue, enseignant à Paris 1 et Sciences Po. Exact. Bonsoir et bienvenue. Bruno Cotrez, bah Bruno, on te connaît bien, tu es un habitué du talk, tu es politologue, chercheur au CNRS et au CVPOF, et tu es par ailleurs enseignant à Sciences Po. Absolument, toujours. Et à mes côtés, Jean-Philippe Derosier, constitutionnaliste. Bonsoir. Bonsoir, professeur de droit public à l'université de Lille 2, que je connais bien, puisque j'ai passé 5 belles années de droit. Bonsoir, professeur. Bienvenue à tous les trois. Lille 2 n'existe plus. Lille 2 n'existe plus. C'est l'université de Lille maintenant. Ah bon, ah bah, voilà, ça nous montre que nous vieillissons, bon, et oui, que voilà, les temps anciens sont révolus. Quelques cheveux gris, à l'ère nouvelle. Bienvenue à tous les trois. Michel Barnier mène les dernières consultations, réunit tous les partis qu'il a déjà consultés ce jeudi. Le Premier ministre s'assure d'avoir les soutiens nécessaires pour nommer ses ministres, un gouvernement à mener sa politique. Et on évoque déjà la possibilité d'une démission. Est-ce que c'est envisageable? Répond qui veut. Politiquement, ça me semble perdant pour tout le monde. Donc je ne sais pas si l'un... C'est de l'ordre de la rumeur. Hein. Je ne sais pas si vraiment l'un des acteurs a les moyens d'assumer ça. Parce que là, ça serait, je vois pas qui gagnerait, au fond, à un échec des négociations entre Michel Barnier et les différentes formations politiques. Lui, il y perdrait, avec une grosse tâche sur un curriculum vitae qui est impeccable pour le moment, en tout cas en termes de prestige des positions qu'il occupait. Les LR aussi, la majorité, l'ancienne majorité présidentielle. Donc pour le moment, il me semble qu'aucun n'a rationnellement... Mais est-ce que tout ça est toujours dans le domaine du parfaitement rationnel? Il y a une dimension aussi humaine, tout ça. Voilà, les dernières heures ont vu que c'était compliqué. J'ajouterais à ce qu'a dit Bruno que Emmanuel Macron, il perdrait énormément. Il y a une séquence où, après quelques difficultés, les partis de gauche, ceux qui constituent le nouveau Front populaire, ont fait une offre sur la table en disant ben voilà, on a une candidate, c'est Lucie Castet. Et cette hypothèse a été récusée par Emmanuel Macron au nom de son instabilité. Donc, ça implique un tout petit peu que l'option proposée par Emmanuel Macron lui-même, puisque c'est lui qui a nommé Michel Barnier, soit stable. Donc on est probablement là dans un jeu de rapport de force où effectivement Michel Barnier a peut-être mis sur la table le fait que ben, si c'était comme ça, ce serait sans lui. Peut-être que ça arrivera à un moment pour obtenir ce qu'il veut. Ce qui est fascinant quand même dans cette période que l'on vit, c'est que on a ces jeux de rapport de force, d'exigence, de pouvoir, peut-être caprice par certains aspects, sur peut-être pas une tête d'épingle, mais enfin une tête d'aiguille à tricoter. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'une majorité un peu brouillonne, là. On parle d'un socle qui représente moins de 220 députés. Et d'ordinaire, plus le socle est petit, plus il a tendance à se souder face à l'adversité. Et ce n'est pas du tout ce qui est en train de se produire. Jean-Philippe Desrosiers. Moi, je n'y crois pas une seconde. Ce sont des rumeurs. Michel Barnier n'a jamais laissé entendre que lui-même partirait. Et je pense que dans ces périodes, précisément, non pas de flottement, mais de discrétion dans les négociations, et discrétion nécessaire, parce que précisément, il y a des tractations, il y a des accords qui sont noués, et ils ne peuvent pas se faire, ces accords, s'ils sont placés sous la pression des regards de certains ou de tous, et notamment s'ils sont relayés par les médias. Donc c'est normal qu'il y ait des négociations, qu'il y ait ces échanges, qui soient conduits sans doute pendant plusieurs jours. Là, c'est aussi normal, parce que, comme l'a dit Emmanuel Rivière, le socle est assez faible, donc il faut quand même s'assurer qu'ils tiennent et qu'ils puissent effectivement mener à bien certaines missions, la première d'entre elles étant l'adoption du budget. Et je reste convaincu que le gouvernement Barnier, Michel Barnier Premier ministre, et le gouvernement qui sera nommé dans quelques minutes, quelques heures ou quelques jours, a au moins 3 mois d'espérance de vie. On est le 19 septembre et il va faire adopter un budget, lequel, ça reste encore à déterminer. Ensuite, qu'adviendra-t-il? Là, on pourra à nouveau s'en parler et poser des points d'interrogation, mais je pense qu'il faut se garder de ce type de rumeurs tant qu'elles ne sont pas officialisées sur la démission du gouvernement, bon, après, sur le temps est tellement la nomination de Tintel, etc. On s'appuie sur tout des cela. Rumeurs, quoi. Faut bien oui, ben, d'accord, mais on peut aussi simplement depuis le mois de juin, il fait bien qu'on attendre des choses... que les révélations soient faites, que ce soit officialisé. À mon avis, ça ne devrait plus trop tarder. C'est-à-dire
des infos que j'ai pas. Ah non, 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 mais on sait que Michel Barnier a mené des négociations, qu'il se rend à l'Élysée ce soir pour proposer un gouvernement à Emmanuel Macron. Est-ce que Emmanuel Macron va le retoquer? Est-ce que Emmanuel Macron va le valider? C'est pour ça que je dis qu'on a peut-être la nomination dans quelques minutes, ou on l'aura peut-être dans quelques heures ou dans quelques jours, si jamais il y a des ajustements encore à faire. Le président de la République a dit qu'il se plaçait en retrait. Bon, depuis 7 ans, il dit qu'il va faire beaucoup de choses, mais il ne les fait jamais. On l'a rarement vu en retrait. Là, on va voir s'il le fait effectivement. Si jamais il demande des ajustements, c'est très précisément le signe qu'il ne se met pas en retrait. J'imagine que, venant présenter à l'Élysée une liste de membres du gouvernement, et vraisemblablement dans un premier temps les ministres de plein exercice, il y a quand même eu quelques coups de fil, quelques échanges de SMS avec l'Élysée, peut-être même avec le président de la République lui-même, et qu'il ne va pas découvrir la liste à ce moment-là, que c'est plutôt l'ordre du formel et du solennel où le Premier ministre se rend à la résidence du président de la République pour lui présenter le gouvernement et que celui-ci ensuite le nommera. Bruno Codrès. Oui, je pense qu'on est vraiment, moi, très proche de la formation du gouvernement, parce que la situation devient très compliquée dans la gestion de l'opinion publique. Très, très, très compliquée. Voilà, il y a une accumulation d'incohérences aux yeux de l'opinion publique qui devient quand même maintenant très, très élevée. D'abord, premier point, la durée de cette très longue séquence. On est dedans depuis la fin du mois de juin. Le premier tour des législatives. On a eu les JO, d'accord, mais enfin, voilà, ça fait 3 mois qu'on est là-dedans. Il y a eu toute cette longue séquence, les discussions à l'intérieur du nouveau Front populaire, après les nombreuses consultations d'Emmanuel Macron, et là, à nouveau, les nombreuses consultations de Michel Barnier. Et aux yeux de l'opinion, ça donne et ça accrédite le sentiment qu'on ne sait pas où on va. Ouais, on ne sait pas où on va, on est un peu en pilotage automatique, on ne sait pas où on va, il n'y a pas de gouvernement, ce n'est pas dramatique qu'il n'y ait pas de gouvernement techniquement, mais ça dit quelque chose d'une situation qui, aux yeux de l'opinion, commence à être une situation de confusion. Et il se trouve que cette situation de confusion, elle préexistait à la situation, elle n'a pas été comme ça provoquée par la dissolution, elle est déjà là dans les mesures d'opinion, qui était un sentiment de plus bien comprendre où est-ce qu'on allait avec le deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Voilà, où est-ce qu'il voulait aller. La preuve que c'est très incohérent, c'est qu'il nous surprend avec l'annonce de la dissolution, qui n'a pas été préparée. Donc voilà, donc aux yeux de l'opinion, il est peut-être temps qu'il y ait un débouché, voilà, que ça s'arrête, qu'on sache un peu qui est dans l'équipe. Et puis surtout, peut-être le plus essentiel, c'est qu'il y a un certain nombre de grands sujets qui commencent à être exposés aux yeux des Françaises et des Français, car ils ne l'ont pas été dans la campagne du deuxième tour des élections législatives. On parle de ces sujets, Bruno. Voilà, les questions comme les grandes injustices, les grandes inégalités. Voilà, on a l'impression qu'on découvre d'un seul coup des gros trous dans le budget de la France. Parce qu'on les découvre vraiment. Voilà, donc tout ça vient. Tout ça vient. Quel en est le motif, l'explication. Donc voilà, et des trucs qui sont très inquiétants aux yeux de l'opinion, parce qu'il n'y a pas que les acteurs économiques comme les entreprises, les investisseurs, mais il y a les gens de tous les jours qui se demandent est-ce qu'ils vont nous créer une taxe pour trouver une solution, parce qu'en France, on dégaine souvent ça. Est-ce qu'ils vont augmenter les impôts? Est-ce qu'ils vont réduire les prestations sociales? Voilà, il y a plein de questions que les gens se posent. Donc il est temps que Michel Barnier affiche la couleur aux yeux de son futur gouvernement, aux yeux de l'opinion. Parce que la particularité de la situation, c'est qu'il n'a pas de légitimité qui soit issue de l'élection. L'élection ne lui a pas donné mandat en disant « c'est toi Michel Barnier, tu dois faire ça ». Et la preuve que tu dois le faire, c'est que tu as eu une majorité de suffrages qui se sont portés sur ton projet. Et donc, dans la mesure où on part de ce point de départ, il doit construire ça. Il doit le construire. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas le faire. Peut-être que dans 6 mois, tout le monde va lui tresser des louanges, je ne sais pas. Ou au contraire, le mettre voilà, plus bactère. Mais
c'est à lui maintenant de nous montrer qu'il veut construire cette légitimité en captant ce qui s'est passé au cours de toute cette longue séance avec tellement d'incohérences. D'abord Emmanuel, puis vous, parce que je pense que vous vouliez intervenir déjà. Oui, mais parce que... Vous avez le droit de vous couper la parole, hein, dans la limite du propos intelligible et courtois, et je vous fais évidemment bien sûr confiance. Emmanuel Rivière. On le fera dans ces formes-là, mais je vais plutôt abonder dans le sens de Bruno. Il y a vraiment... urgence à passer à autre chose et que cette nouvelle vase soit constructive parce que, en fait, il y a une double déconnexion entre le spectacle donné par le personnel politique et l'opinion. C'est pas l'opinion, c'est les électeurs tels qu'ils se sont exprimés. Et si on revient au départ de l'action, ils se sont exprimés sur une question essentielle, c'est oui ou non, on veut le Rassemblement national au pouvoir. Il y a une partie des Français qui ont répondu oui, qui le désiraient d'ailleurs, et qui continuent à le désirer. Mais la majorité a répondu non. Et mettons-nous à la place de ces électeurs qui ont joué le jeu du Front républicain. Tout ce qui s'est passé depuis n'a plus rien à voir avec cette question essentielle. C'est comme une espèce de long film d'action où le méchant a été neutralisé au bout d'une demi-heure. Et ensuite, en fait, ça s'effiloche complètement. C'est-à-dire que le récit se perd. C'est pas très bon d'un point de vue narratif. Et puis, par ailleurs, il y a aussi une déconnexion dans la manière de traiter cette nouvelle situation. Toutes les enquêtes, absolument toutes, convergent dans l'idée que les gens disent, surtout ceux qui n'ont pas voté RN, bah, débrouillez-vous avec ce qu'il y a, mettez des ministres de droite, de gauche, enfin, pas une étude qui ne dise pas que c'est pas ça le scénario des Français, qui semble très pragmatique. Hein. Ils voient la situation, ils savent compter. Et donc ils disent, bah, voilà, faites ça. Et de la part du personnel politique, ils n'entendent que pas ça, pas avec lui, pas sans mes amis, ligne rouge, exclusion, etc., etc. Donc là où demanderait qu'on reconstruise quelque chose sur ce qui a été accouché par cette question fondamentale, pas le Rassemblement national, il voit que des gens qui se disent non. Oui, je voulais réagir à ce que disait Bruno Cotterêts pour abonder dans son sens sur le fait que Michel Barnier n'a pas reçu mandat pour composer un gouvernement et même pour diriger la politique nationale. C'est totalement inédit dans l'histoire de la Ve République. C'est la première fois que nous allons avoir un décideur de la politique nationale qui n'a pas reçu mandat du peuple pour le faire. Traditionnellement, habituellement, dans les périodes qu'on va qualifier normales, c'est-à-dire les plus courantes, c'est le président de la République. Il est élu directement par le peuple depuis 1962-1965. Avant, le premier, c'était le général de Gaulle. Il avait été appelé pour cela. Et donc, c'est le président de la République qui est choisi par le peuple sur la base d'un programme politique, programme de campagne, et qui, ensuite, sur cette base-là, avec la majorité dont il dispose à l'Assemblée nationale, va demander à un gouvernement de mettre en œuvre cette politique. Les périodes, entre guillemets, d'exception à cette règle, c'est les périodes de cohabitation qu'on a connues en 86, en 93 et en 97. Sous une autre forme. Ces trois périodes-là étaient les périodes de cohabitation, c'est-à-dire qu'on avait un président de la République qui a été désavoué par les urnes, il y avait des élections législatives, et c'est le parti qui est arrivé en tête, et le chef du parti qui est arrivé en tête, qui est devenu Premier ministre, avec une petite nuance de 93 où le chef du parti arrivé en tête, c'était Jacques Chirac. Comme il avait été nommé en 86 et que ça s'était mal passé pour lui à l'élection présidentielle en 88, il s'est dit, on va pas m'y reprendre à deux fois, donc je vais, moi, désigner celui qui va aller diriger la politique nationale, à savoir Édouard Balladur. Mais là aussi, il avait la légitimité des urnes. Là, on est dans une configuration où on a un président qui est désavoué, parce qu'il a perdu les élections, il faut bien dire ce qui est, même s'il a à peu près sauvé les meubles avec 166 députés pour la coalition présidentielle, il a perdu les élections. Personne ne les a véritablement gagnées, mais il y a quand même un courant qui est arrivé devant les autres, en tête. Celui qui est chargé de composer un gouvernement et de diriger la politique nationale est issu du plus petit parti qui est sorti des urnes au moment des élections, c'est-à-dire les Républicains, non pas le plus petit groupe, mais en tout cas le plus petit bloc à l'Assemblée nationale, premièrement, et le seul parti qui n'a pas participé au Front républicain lors de ces élections, non pas que c'est la vérité absolue, mais s'il y a bien un camp qui est victorieux lors de ces élections, c'est le Front républicain, qui a recueilli deux tiers des suffrages, voire plus, au second tour. Donc là, c'est pour ça que je dis que c'est totalement inédit, et c'est totalement à rebours des règles et principes démocratiques, et
la responsabilité repose sur le président de la République qui n'a pas pris la mesure de ce qui s'est passé les 30 juin et surtout le 7 juillet. Et curieusement, les Français se disent pas choqués de cette situation. Pour choquante qu'elle puisse apparaître, il y a une enquête qui a posé la question en ces termes. Les deux tiers disent que ça ne leur paraît pas choquant que Michel Barnier soit nommé à Matignon. Mais ça tient à la personnalité de Michel Barnier. Alors, c'est ce que vous aviez plus ou moins écrit dans une tribune des colonnes de La Croix. Oui. Vous disiez que Michel Barnier, en fait, aurait tout intérêt à construire sa relation avec les Français et que sa popularité pouvait être son meilleur viatique. Bah, au-delà de ça, je raccourcis un peu votre propos. Au-delà de ça, d'abord, si ça tient à la personnalité de Michel Barnier, ça veut dire qu'on est dans un espace politique où la personnalité compte beaucoup et que la filiation partisane compte moins. Ce qui est un des problèmes. D'ailleurs, on le constate quand on se compare aux autres pays européens. La France est l'un des pays, parfois même le pays, où le discrédit des partis politiques est le plus fort. C'est-à-dire que voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans la logique où tant de députés de tel parti devraient aboutir à cela. Et donc, effectivement, ça peut se jouer sur l'équation personnelle. Pas sûr qu'il faille se réjouir qu'un système politique repousse beaucoup sur l'équation personnelle. Enfin, c'est quand même ce qu'on constate partout. C'est voilà, l'hyper-personnalisation des enjeux et l'incarnation. Après, oui, Michel Barnier a peut-être dans son équation quelque chose qui semble, d'ailleurs c'est facile parce qu'il y a des enquêtes qui le disent, bon il a de l'expérience, il est relativement rassurant, il a commencé par dire qu'il fallait discuter avec tout le monde, donc là ça fait un tout petit peu écho à ce que je disais tout à l'heure, il va falloir essayer de se débrouiller, donc après voilà, la question ça va être de rentrer dans le dur, c'est qu'à un moment ce sera pas juste l'équation personnelle mais pourquoi faire. Et oui, parce que pour le moment peut-être qu'une partie de la population n'est pas trop choquée de la situation parce que personne n'a vu l'addition. Donc tant qu'on n'a pas vu l'addition dans la vie, il me semble qu'on n'a pas vu grand-chose. C'est au moment de payer qu'on sait si le repas était vraiment bon ou pas. Voilà, c'est ça. Et comme l'addition, ça va être pour certains des augmentations d'impôts, pour d'autres des réductions de certaines prestations. La question vraiment du mandat populaire, elle est pleinement posée. Parce que ce n'est pas comme si on allait régler un petit point de détail d'une tuyauterie qui fonctionne très bien. Et là, on ne va pas se poser la problématique de la légitimité et du mandat populaire. Mais là, il s'agit des gros, gros, gros tuyaux de l'action publique. Vers qui sont-ils dirigés? Combien débitent-ils? Et donc là, la question du mandat populaire, mais alors elle est pleinement posée. Les entreprises, si on devait augmenter les impôts ou diminuer les bénéfices qu'avaient les entreprises de déduction fiscale ou de moindre charge, mais les entrepreneurs qui vont supporter des augmentations à travers l'annulation de certains mécanismes qui leur étaient bénéfiques au plan fiscal, ben ils peuvent vraiment se poser cette question, qui est de dire d'où il parle, le Premier ministre, est-ce qu'il a reçu un mandat du peuple pour le faire ? Et ça, c'est quand même une question qui est importante à partir du moment où on touche à des variables qui sont essentielles, qui est la distribution de la croissance, la distribution des fruits de l'économie, les mécanismes de compensation des inégalités et des injustices de la société, le service public. Voilà, évidemment, si on nous annonçait qu'il y avait un gel, par exemple, des crédits pour des grands départements ministériels, départements qui nous concernent deux d'entre nous, voire trois, qui est ce qui va vers l'enseignement supérieur, la recherche, mais tout de suite, on va dire... Il y en a un quatrième aussi, qu'est-ce qu'il fait, hein. On va dire tout de suite, mais qu'est-ce qu'il fait, d'où il a tiré cette idée, pourquoi nous, pourquoi pas les... Voilà, donc on voit que la question de ne pas avoir présenté au corps électoral un projet... Et même si à l'issue de ça, on est en minorité relative, mais au moins on a présenté un projet. Michel Barnier, on peut porter crédit, son curriculum vitae parle pour lui, évidemment que c'est quelqu'un qui a eu des fonctions éminentes, tout ça. Mais j'observe que là, il n'a même pas été élu dans une circonscription législative. Il n'est pas membre du Parlement. C'est-à-dire qu'au moins, s'il avait été élu dans une circonscription, on pourrait se référer à sa campagne, disant « Ah, qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là » Voilà, et on a une petite base à ce moment-là pour dire « Oui, il avait des idées intéressantes, c'est bien qu'il puisse les mettre en œuvre pour tout le pays. » Mais là, on n'a même pas ça. Donc c'est une situation, voilà, tout est dans... La balle est dans son camp. Beaucoup de choses sont possibles, sans aucun doute. Mais rapidement, cette difficulté va s'imposer à lui. Jean-Philippe Desrosiers, vous souscrivez ?
Je souscris et à ce stade, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Maintenant, il faut attendre de voir comment est-ce qu'il a composé son gouvernement, qui il fait rentrer, sur quelle base il s'appuie, quelle majorité il essaye de dégager. La particularité de la Ve République, ce n'est pas, enfin, c'est que le gouvernement n'a pas besoin d'avoir une majorité positive. Il a besoin de ne pas avoir de majorité négative. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être approuvé, soutenu par une majorité pour pouvoir exister. Il a besoin et il reste en vie tant qu'il n'y a pas de majorité absolue qui s'oppose à lui, qui dépose et qui vote une motion de censure. Donc c'est ce qui permet de garantir, à mon sens, que notamment le budget puisse être adopté d'ici la fin du mois de décembre. Il semblerait que Michel Barnier a dit qu'il fera une déclaration de politique générale le 1er octobre. Cette déclaration de politique générale peut se conclure par l'engagement de la responsabilité du gouvernement. Il le ferait, et pour le coup, si cet engagement, si cette déclaration dans ce cas-là n'est pas approuvée par une majorité des membres de l'Assemblée nationale, là il est obligé de démissionner. Raison pour laquelle, à mon avis, il ne le fera pas. Comme Elisabeth Borne d'ailleurs s'en était dispensée. Comme Elisabeth Borne et même Gabriel Attal. Alors que Gabriel Attal aurait pu tenter de jouer avec ça et pas impossible qu'il l'aurait emporté. Là, Michel Barnier, effectivement, a quand même une majorité relativement fragile. La minorité présidentielle est composée de trois groupes. On a entendu que dans le plus gros, c'est-à-dire le parti présidentiel qui s'appelle désormais Ensemble pour la République, EPR, il y avait quelques voix qui commençaient à être discordantes. Donc, pas sûr qu'il se risque à faire un engagement de responsabilité, parce que sinon, effectivement, s'il était là, mis en minorité dès le départ, il serait obligé de démissionner et ce serait non pas catastrophique. On peut nommer un autre gouvernement et trouver des solutions, mais disons qu'on a besoin d'un budget. Comme le disait très bien Bruno Cotterêts, il y a des grosses interrogations, de plus en plus grosses, sur les finances publiques, le déficit public, la dette, qui ont commencé à être annoncées et qui seraient beaucoup plus importantes que ce que l'on voulait bien nous laisser croire jusqu'à présent, et ce que notamment Bruno Le Maire a laissé entendre. Et par conséquent, la priorité n'est pas tant à relégitimer le gouvernement par une majorité sur une déclaration de politique générale que d'avancer pour proposer des solutions aux Français. Tout ça a deux conséquences assez importantes. Il y en a une qui est politique, c'est qu'on pouvait s'imaginer dans une espèce de cohabitation soft, on a inventé pour ça le terme de cohalitation, un peu, voilà. Là, il va y avoir un enjeu en fait, qui va consister de la part de Michel Barnier, sans doute, hein, à charger ses prédécesseurs. Et c'est un peu ce qu'il commence à faire. Donc, voilà, il va se créer forcément une tension entre le locataire de l'Élysée et le locataire de Matignon sur l'état des comptes tels qu'ils ont été laissés. Très prosaïquement, il a été un peu gonflé quand même. Enfin, il ne pouvait pas ne pas ignorer l'état des comptes, si. Je pose la question un peu naïvement, parce qu'on la pose dans le chat. J'en sais rien sur son état personnel de connaissance, mais a priori, pas exactement son rôle de ces dernières années. Dans ce cas-là, c'est Bruno Le Maire. Ah oui, Bruno Le Maire, oui, ça c'est autre chose. Donc, mais voilà, il va y avoir cette tension où Michel Barnier va être un peu obligé d'expliquer ce qu'il fait au nom de ce que ses prédécesseurs n'ont pas fait. Donc voilà, ça c'est une première tension, et puis ensuite, effectivement, il va y avoir la tension de l'explication au pays. C'est assez nouveau, en fait, qu'il y ait ce sujet-là. Donc, en fait, ce qu'on a vu se dessiner pendant l'été, c'est-à-dire la très grande difficulté de gouverner sans majorité, s'ajoute la difficulté de gouverner avec que des potions amères à distribuer et à expliquer aux Français sans avoir, comme ça a été dit par mes camarades, le mandat pour le faire. Ah oui, il va bien falloir à un moment donné qu'effectivement, devant l'ensemble du pays, il, à travers son discours de politique générale, j'imagine que la tonalité qu'il va adopter, c'est un peu la tonalité la sueur et des larmes, comme on dit, mais il a aussi dit qu'il voulait envoyer des messages positifs, qu'il y a de l'espoir, voilà. Mais globalement, quand même, la tonalité va être qu'il y a des difficultés très importantes
et que lui entend apporter une contribution pour les réparer, ces difficultés. Mais mécaniquement, effectivement, ça va impacter sur le président de la République, puisque tout le monde va se retourner vers Macron en disant qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as foutu pendant 7 ans, en gros? Parce que c'est le fait à la fois que l'exécutif est là depuis 7 ans, donc ça fait un septennat, maintenant plus d'un septennat d'Emmanuel Macron. Ça commence à faire une durée très importante, en fait, très importante. Si on calcule la vie moyenne d'un électeur qui prend l'âge de voter à 18 ans et qui a une espérance de vie en France à 80 pour un homme, 10 ans, deux quinquennats, 10 ans, ça fait presque un sixième de la vie d'un électeur. Donc dans la vie d'un citoyen, un président qui est en poste 10 ans, ça compte, ça chiffre beaucoup. Donc quand on se retourne derrière et qu'on va dire... pendant 10 ans, et il nous laisse ça. Voilà, donc je pense que beaucoup de Françaises et de Français vont avoir ce réflexe. Et puis aussi, la séquence qu'on vient de vivre, à mon avis, elle a imprimé dans l'opinion, voir ce duo, ce tandem des deux députés, le député de la France Insoumise, Éric Coquerel, accompagné d'un député qui vient de la droite, à l'origine du centre-droit, qui a toujours incarné dans la vie parlementaire française la rigueur, l'absolue rigueur. Charles de Courson, Monsieur Rigueur, vraiment, il traquait à l'époque de Bernard Tapie, vraiment, il le poursuivait de sa vindicte. Et donc, de voir ce binôme qui va à Matignon, qui va à Bercy, en disant on veut voir les documents budgétaires, et on ne nous les donne pas. Alors ça crée une sorte de bulle dans l'imaginaire des gens qui est on nous ment, on nous cache, et en même temps qu'on nous ment, qu'on nous cache des trucs, on nous demande des efforts. Et ça, à un moment donné, ça crée une sorte de gigantesque incohérence. Et je crains un petit peu, moi, de ce point de vue-là, que si l'addition était salée, finalement... Parce que quand les gouvernants commencent à dire « je n'augmenterai pas les impôts sur les classes moyennes », voilà, très, très souvent, là, on va dire « ah ben non, finalement, c'est plus compliqué ». Je crains qu'à un moment donné, un clash de ce point de vue-là. Toute cette séquence va aussi un peu dans le sens de reproches qu'on entend beaucoup dans nos études des citoyens à l'égard du politique. C'est-à-dire ils sont un peu sur leur tour d'ivoire, très arrogants, éloignés de nos réalités, mais pas forcément si compétents que ça. Enfin, c'est vraiment un ingrédient qui s'est ajouté à l'acrimonie à l'égard des politiques au cours de la dernière période. Avant, on pouvait les juger malhonnêtes, déconnectés, mais... plutôt compétent. Et là, voilà, toute cette séquence, alors par ailleurs très inventive, hein, c'est-à-dire que Jean-Philippe de Rosier disait « c'est la première fois que », mais pour le coup, c'est la énième fois qu'on dit « c'est la première fois depuis le 9 juin ». Très inventive. Mais probablement. Et même depuis 2022, en réalité. Et même depuis 2022. Ouais. Mais par contre, elle peut faire du dégât, parce que là, pour le coup, je pense que beaucoup de gens se disent « mais en fait, ils ne maîtrisent pas très bien leur sujet. Ils font semblant, en plus. Ils continuent à parler comme s'ils avaient une majorité, comme s'ils pouvaient décider, comme si leur parole était aussi performative qu'avant, c'est-à-dire il suffit de le dire pour que ça arrive, et en fait, non, pas vraiment. Donc la dégradation de l'image des politiques risque quand même d'en prendre un coup. Ça fait deux mois qu'on a les ministres démissionnaires, donc on ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'un ministre démissionnaire. Il est en fonction, il n'est pas en fonction. Voilà, pour les Français, quelqu'un qui est démissionnaire, c'est quelqu'un il a déjà passé le stade du siège éjectable et il s'apprête à faire son carton et à partir, quoi. Donc là, voilà, ça fait deux mois en plus de cette expérience. Et j'ajoute en termes d'imaginaire dans la population ce que disait Jean-Philippe Desrosiers tout à l'heure, qui est c'est la première fois dans notre expérience démocratique qu'on a cette situation. C'est peut-être pas inquiétant à court terme, parce que la machine d'un grand pays moderne, la machine... L'inertie. Voilà. Par contre, sur le long terme, qu'on ait été tous ensemble les témoins de cette expérience, peut créer quelque chose dans l'opinion de l'idée qu'au fond, ça n'est plus totalement le résultat des élections qui dit qui gouverne. C'est pas banal. C'est pas banal. Si ça venait dans les mains de personnalités moins enclines à la démocratie, moins spontanément favorables à plus de démocratie dans la société... C'est bien la problématique. C'est une expérience qui est un peu alors, bizarre. Le seul lien clair entre ce que les gens ont voté et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas Jordan Bardella à Matignon. Alors c'est pas rien, c'est important, mais pour le reste, il y a quand même des connexions...
patente. Alors, pardon, je fais une pause de chat. Dans le chat, vous parlez beaucoup entre vous, vous posez peu de questions. Posez vos questions, je les relais comme d'habitude. Là, vous aimez bien parler entre vous. Et c'est très bien aussi. Il y a quand même une question de Walden Wood. Salut Walden Wood, à vous, messieurs. Est-ce que c'est pas une... Alors, on verra si ça relève de la théorie du complot ou pas. C'est vous qui allez me le dire, et le dire à Walden Wood. Est-ce que c'est pas une stratégie voulue par Emmanuel Macron de rendre les comptes publics intenables pour pousser à une privatisation majeure des services publics? Ça relève du fantasme, ça? Vous avez 3 heures. 4. Non, ça serait lui attribuer des stratagèmes vraiment machiavéliques, sournois. Il a son lot de défauts, hein, comme tout le monde, hein, évidemment, Emmanuel Macron. Il nous en a montré un certain nombre, pas mal quand même, dans ses mandats. Mais ça serait quand même l'idée de quelqu'un qui, cyniquement, au fond, jouerait contre son peuple comme de manière délibérée, intentionnelle, etc. Ce qui serait quand même une situation qui me semble pas très crédible. Par contre, moi, j'ai une autre question, et là aussi, sans verser du tout dans la théorie complotiste, mais on s'est tous posé la question de la rationalité de la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Est-ce que ça a relevé de l'émotion? Personne ne la comprend. Certains ont évoqué un pétage. Je la comprends, et je, sans vouloir m'élever comme devin, je l'avais annoncé le 9 janvier. Vous ne croyez pas à la théorie de l'émotion? Non, Jean-Philippe Rosier. Non. Vous êtes un des premiers quand même. La dissolution, je ne mens pas. Hein, vous pouvez me suivre sur mon compte Twitter et vous retrouverez que le 9 janvier, c'est la date à laquelle Emmanuel Macron limoge Elisabeth Borne. Il le fait sans aucune raison. Il lui avait confié une première mission, qui était de faire la réforme des retraites. Elle l'a faite. Contre vents et marées, mais elle l'a faite. Il lui avait confié une deuxième mission qui était de faire passer une réforme de l'immigration. Elle l'a faite. Puis au cours de cette mission, il lui a dit « Je vais te corser un petit peu la chose, tu vas la faire passer 149-3. » Elle l'a fait. Tout ce qu'il lui avait confié, elle le fait. Et puis patatras, une fois que la loi immigration effectivement est passée, boum, merci, au revoir. Aucune raison politique de renvoyer la Première Ministre. Renvoyer la Première Ministre le 9 janvier 2024, signait l'acte et le décret de dissolution du 9 juin, parce que les élections européennes ne pouvaient pas bien se passer, c'était clairement annoncé, c'était d'ailleurs vraisemblablement la stratégie de la nomination d'Attal qui a décidé de sauver les meubles, on voit à quel point ça a bien marché, une extrême droite réunie, enfin tout score cumulé à près de 40%, un président de la République et un Premier ministre qui s'engagent dans la campagne des européennes, tous les deux, du jamais vu, tous les deux, et qui se retrouvent à un score deux fois moindre que le Front National, c'était inévitable. Il fallait une réponse politique le 9 juin ou le 10 ou le 11, pas à la rentrée, c'était beaucoup trop tard. Il fallait une réponse politique. Et donc cette réponse politique ne pouvait pas être le renvoi de Gabriel Attal, c'était réchauffer ce qui avait déjà été fait. Et à part ça, il ne reste pas grand-chose. Un référendum, pas trop ce qu'on peut faire comme réponse politique, sauf à dire, je fais un référendum et si la réponse est non, je m'en vais. Quelle aurait été la question? Bon. Et donc, la seule réponse politique, c'était la dissolution. Et on ne pouvait pas la faire à un autre moment que le 9 juin au soir, parce que, là, c'est le calendrier qui faisait qu'il y avait un dimanche 14 juillet, que la Constitution impose de faire les élections entre 20 jours et 40 jours après la dissolution, et que si on ne la prononçait pas le 9 juin, on était obligé d'organiser un tour le 14 juillet, ce qui n'était pas véritablement très, très heureux, ou de le faire après le 14 juillet, et là, on tombait en plein pendant les Jeux Olympiques. Donc, non, la dissolution s'imposait le 9 juin au soir, comme réponse politique à cette déroute électorale qu'a connue le président de la République. Et il a essayé, en plus, bien sûr... Il aurait pu le défendre comme ça, il ne l'a pas fait. Mais non, parce que, sans doute que... Dans son discours, parce qu'on dit qu'il fait beaucoup de bêtises, on peut lui prêter beaucoup de mauvaises intentions. Je suis d'accord avec Bruno Cotterès, je ne suis pas d'accord qu'il fait exprès de dégrader les comptes publics. Par contre, effectivement, il a parfois commis un certain nombre d'erreurs. Mais le discours du 9 juin, c'est le discours d'un homme d'État. Je vous ai entendu, je vous redonne la parole, je fais appel aux électeurs qui, par leur vote, vont décider de ce qu'il en sera. Bon, il fait appel à eux. Ce qu'il n'a pas ajouté à la fin de son discours, c'est « je fais appel à vous pour que vous m'exposiez votre vision des choses, mais je ne vais pas en tenir compte ».
Ça, il ne l'a pas précisé. Oui, parce que depuis le 7 juillet, il n'en a absolument pas tenu compte. Il a perdu les élections, personne, enfin, tout le monde le sait, sauf lui. Il agit comme si c'était encore lui qui décidait de la politique nationale. C'est lui qui va choisir le Premier ministre, qui va le choisir en plus dans les rangs du plus petit groupe, comme je le disais tout à l'heure. Le seul parti qui n'a pas participé au front républicain, qui est le grand victorieux de ces élections, pour montrer que c'est encore lui qui décide. Et sans doute que, notamment, le nouveau Front populaire n'a pas forcément agi dans le sens des responsabilités qui auraient dû être les siennes. La fameuse phrase de Jean-Luc Mélenchon présentée à 20h05 le 7 juillet au soir, c'est le programme et tout le programme, est intenable. Et personne ne lui a dit immédiatement c'est intenable. C'est intenable pourquoi ? Parce qu'à 193 sur 577, on ne peut pas dire c'est le programme et tout le programme. C'est une partie du programme, d'accord, parce qu'on est en tête, mais on va essayer de trouver les ouvertures possibles pour négocier et s'ouvrir. Après, il s'arc-boute sur un nom de première ministre, Lucie Castet, que le président de la République refuse, à mon avis, à bon escient, parce que, comme elle s'exposait à la censure immédiate, il est dans son rôle de veiller au bon fonctionnement des pouvoirs publics en disant ben « Non, là, ça ne va pas être possible ». En revanche, il sort de son rôle en ne disant pas tout de suite « Proposez-moi quelqu'un d'autre. Proposez-moi. Vous êtes arrivé en tête, donc je suis d'accord pour nommer quelqu'un issu de votre tendance, mais proposez-moi quelqu'un qui marque l'ouverture, parce qu'il faut vous ouvrir. Ça ne peut pas être le programme et tout le programme. » Et là, Emmanuel Macron dit « Non, non, laissez-moi faire. Je vais aller chercher quelqu'un qui est issu, non pas de nulle part, parce qu'il a une belle carrière politique, des talents de négociateur, c'est important dans la période actuelle, mais quelqu'un qui est issu d'un groupe petit, plus petit dénominateur commun, et encore, je ne suis pas sûr que ce soit un dénominateur commun, et qui, encore une fois, n'a pas le mandat, la légitimité pour déterminer et conduire la politique nationale. Ce récapitulatif de Jean-Philippe de Rosier donne un peu aussi la vision du spectacle politique depuis quelques mois. Il y a trois acteurs majeurs qui dominent la vie politique française, trois personnalités majeures. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, dont deux mettent le bazar. Très important. Même trois. Hein. La troisième n'apparaît pas du tout en ce moment comme étant le bazar. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'on prononce son nom depuis qu'on discute. Elle est là dans son coin. C'est ça tout le rôle de Michel Barnier. C'est dans ce spectacle-là comment lui va se positionner. Est-ce qu'il va être un stabilisateur ? Est-ce qu'il va être un rassembleur en dépit de tout ce qui a présidé à sa nomination ? Est-ce qu'il a cette capacité ? Là, voilà, d'où mon propos de dire finalement, son meilleur allié, s'il arrive à s'en faire un allié, ça pourrait être l'opinion publique. Et juste pour revenir sur la dissolution, il y a un petit paramètre aussi qui peut rendre rétrospectivement le pari moins insensé ou encore plus sensé, c'est que je ne pense pas qu'Emmanuel Macron, au moment de l'annonce de la dissolution, estimait que la gauche pouvait s'allier. Ça ne donne pas du tout la même élection et le même équilibre. On voit bien ce qu'il est en train d'essayer de faire depuis le 7 juillet. Il est en train de faire en sorte de constituer quelque chose, alors on est renoncé à ce que soit une majorité, autour du pivot que représente Renaissance, maintenant Ensemble pour la République, qui constitue bien d'ailleurs le premier parti du socle, les trois sur lesquels s'appuie Michel Barnier. Si la gauche était partie divisée aux élections législatives, ce socle-là serait beaucoup plus important autour de l'ancienne majorité et la gauche ne pèserait pas 193 députés. Pardon. Bruno ? Ce qui est inquiétant, effectivement, c'est au niveau du spectacle d'ensemble et de ce que la mémoire collective va retirer de tout ceci. Si on résume au fond tout ce qui vient de se passer ces dernières semaines. On a d'abord sans doute un sentiment de grande lassitude de ce bazar. Voilà, bon, depuis déjà. Voilà, depuis un moment, mais là, je vraiment. On dit bazar avec Bruno, mais c'est pas comme ça que les gens l'expriment. Voilà, la cote d'alerte est atteinte. On voit les plus éminentes personnalités qui découvrent des trous de plein de milliards. Voilà, donc il y a un état aussi de stupéfaction. Sur ces informations, est-il possible que le chef de l'État n'était pas au courant de ça? Si tel était le cas, quel incroyable dysfonctionnement dans notre organisation administrative et financière du pays. C'est impossible. On se dit, mais le chef de l'État et son premier ministre de l'époque, Gabriel Attal, avaient ces informations. Qu'ont-ils fait quand ils les ont eues? Donc ça pose quand même des questions qui commencent à être assez sérieuses.
Le sentiment, on verra, c'est en ça que l'histoire de la composition du gouvernement, c'est tout sauf un détail. C'est tout sauf un détail dans cette situation. Si la composition qu'on va avoir dans quelques heures, quelques jours, on ne sait pas, donnait le sentiment qu'il y a un camp qui s'est trop servi de la situation, voilà, qui exagère, au fond, qui a plus, beaucoup plus et trop par rapport au poids réel de cette formation dans le pays, on verra. Voilà. Il faut être prudent, on n'a pas la composition, donc nous verrons bien. Mais on voit que ça commence à faire une très grosse accumulation de choses qui ne sont pas faciles à digérer dans un pays qui est profondément fracturé, qui est profondément fragmenté, avec un sentiment d'impasse politique depuis de nombreuses années. Les électeurs de Marine Le Pen et du Rassemblement National ne sont pas contents. Ils ne cessent de dire qu'ils représentent des millions d'électeurs et d'électrices et qu'on les traite comme s'ils n'existaient pas, comme s'ils étaient indignes d'une certaine manière. La gauche est arrivée en tête, en siège, dans un contexte très particulier de ce deuxième tour, mais on peut pas nier ce fait objectif. Donc là, à nouveau, c'est pas content. Les macronistes vont avoir le sentiment qu'on leur fait porter le chapeau et ils disent « Mais non, regardez, on a fait plein de trucs bien, et le reste à charge zéro, et blablabla. » Enfin, tout le truc Donc on arrive à une sorte de bulle d'incohérence qui ne raconte plus une histoire pour le pays. Parce que pour qu'on sorte par le haut, il faut qu'à un moment donné, Michel Barnier nous dise on va en baver, ça va, mais voilà quelle est la destinée, voilà quelle est la destination, voilà où on veut aller. C'est pas forcément avec un vocabulaire technocratique de dire, de promettre le bonheur dans 10 ans. Etc. Non, mais d'avoir une idée de où on va. Est-ce que la France continue d'être ce pays un peu particulier en Europe, avec une forte demande pour l'égalité, la justice, avec un attachement aux services publics, mais on va améliorer les choses. Est-ce que c'est, au fond, une meilleure organisation de l'État vers laquelle on va? Est-ce que c'est la priorité sur la réduction de nos déficits publics? Mais si c'est ça l'objectif, c'est pour quel projet de société? Est-ce que c'est pour se retrouver dans le même problème budgétaire dans 10 ans? Ou alors est-ce que c'est de dire, là, on marque un coup, on réfléchit. Qu'est-ce qui nous arrive? On réfléchit où on va? Voilà, donc, s'il ne va pas vers là, Michel Barnier, cette accumulation d'incohérences va avoir des effets dans l'opinion que je subodore, je suppose, un peu négatif. Alors, tu parles d'incohérence, vous parliez tous les deux de bazar. Il s'en trouve certains qui proposent des choses, il me semble, notamment au début de semaine, Jean-Philippe Desrosiers, vous aviez 130 propositions d'évolution de la Constitution de la Ve République, qui était publiée sous les ordres du Grécy, et que vous avez ramené. Vous pouvez nous en parler un petit peu, qu'est-ce que c'est? Donc c'est effectivement un ouvrage qui... Est-ce que ça tombe... ça a tombé par hasard ou c'est fait dans l'urgence? Non, j'ai fait un livre et puis après la date de publication a été arrêtée le 18 septembre et du coup j'ai appelé Emmanuel Macron pour lui demander de dissoudre. J'ai appelé les différents responsables de partis pour qu'ils fassent en sorte de ne pas avoir de majorité, etc. Non, c'est évidemment un hasard du calendrier. C'est un livre qui est paru donc en milieu de semaine mercredi, hier... le 18 septembre, et qui est le résultat d'un groupe de réflexion, le GRECY, le groupe de réflexion sur l'évolution de la Constitution et des institutions, que j'ai monté, j'ai piloté tout au long de l'année 2023. C'était un peu dans le prolongement de l'élection de 2022 d'abord, où Emmanuel Macron avait annoncé une éventuelle évolution des institutions, réforme constitutionnelle qu'il n'avait pas vraiment pu faire au cours de son premier mandat, une fameuse commission transpartisane qui, on le pressentait déjà, ne verrait jamais le jour et elle n'a jamais vu le jour. Et donc je me suis dit, puisque le président de la République ne le fait pas, pourquoi est-ce que nous, on ne le ferait pas? Et j'avais un ou deux copains, collègues autour de moi à ce moment-là et ils m'ont dit chiche. Je dis mince, encore une idée de fou, j'aurais bien aimé que quelqu'un me dise mais non, ne le fait pas. Et comme ils ont dit chiche, on s'est lancé dans cette aventure. J'ai réuni une quarantaine d'universitaires, professeurs, maîtres de conférences des universités françaises, la plupart spécialistes de droit constitutionnel, mais pas seulement.
Parce que dans la Constitution, il y a évidemment du droit constitutionnel, mais on touche aussi à d'autres sujets. Il y a un petit peu de droit international, il y a du droit de l'Union européenne, il y a les questions budgétaires, donc il y avait aussi des spécialistes de finances publiques ou des collectivités territoriales. Et on a réfléchi à peu près toutes les évolutions possibles, en tout cas toutes celles qui nous passaient par la tête, pour faire évoluer la Constitution de la Ve République. On a réfléchi au cours de l'année 2023, parce que c'était une année qui n'était pas tout à fait anodine, c'est l'année au cours de laquelle la Ve République a eu 65 ans. Et 65 ans, alors pour certains c'est l'âge de la retraite, voire c'est au-delà de l'âge de la retraite. Donc première question, est-ce qu'il fallait mettre la Ve République à la retraite? Certains considéraient que oui. Moi, à titre personnel, je considère que non. Et dans le groupe, certains, pas forcément enthousiastes à l'idée de la Ve République, mais considèrent qu'on peut la faire évoluer, quitte à la revoir fondamentalement, mais dans le cadre de la Ve République. Et puis 65 ans, c'était aussi un anniversaire autrement particulier, puisque elle a ainsi atteint et aujourd'hui dépassé la plus longue constitution de notre histoire, qui était autrefois celle de la Troisième République, entre 1875 et 1940. Et désormais, donc, la Cinquième République est la constitution la plus pérenne de notre histoire constitutionnelle. Et donc, on voulait un peu marquer le coup en lui proposant une cure de jouvence, d'où ces 130 propositions qui sont articulées autour de 20 scénarios dans cet ouvrage. 20 scénarios, il y a primo-ministérialiser la Cinquième République, renforcer le Conseil constitutionnel, etc. Et je vais vous répondre, mais juste, je termine. Les 130 propositions ne sont pas, dans leur ensemble, une révision constitutionnelle clé en main. On n'a jamais voulu s'ériger en législateur, ce que nous ne sommes pas. Nous sommes des professeurs de droit, une partie de la doctrine, et nous avons livré une analyse prospective de la Constitution, d'où le titre. Et nous ne sommes pas d'accord entre nous. Souvent, la meilleure façon d'avoir deux avis constitutionnels différents, c'est de mettre deux constitutionnalistes dans la même pièce. Et là, on était 40, donc vous imaginez un petit peu les. Il faut expliquer le nombre, peut-être au chat, le nombre d'avis. Vous produisez la doctrine et que la doctrine, elle est entendue quand même. Hein. C'est quelque chose qui aura de l'écho. Oui, parce qu'on va essayer maintenant de le diffuser. On a auditionné une quarantaine de responsables politiques ou anciens responsables politiques, les anciens présidents de la République, d'anciens premiers ministres, tous les chefs de parti représentés au Parlement. Il n'y a qu'un seul parti qui ne nous a jamais répondu, qui ne nous a jamais reçus. C'est le parti présidentiel. En Marche, le président du groupe à l'époque, le président du parti, jamais de réponse. Bon, bah, tant pis, on a fait sans eux, on n'allait pas les attendre. Sinon, on attendrait encore. Et donc, on a fait ces propositions. Et donc, nous ne sommes pas tous d'accord. Et certaines propositions vont dans un sens et d'autres vont dans un autre. Certains soutiennent qu'il faut primo-ministérialiser la Ve République, c'est-à-dire renforcer la place du Premier ministre, du gouvernement, un peu un régime à la allemande, à la britannique, où la figure et l'institution dirigeante du pays, c'est le Premier ministre et le gouvernement. On appelle ça parfois parlementarisé, mais nous, on ne l'a pas appelé parlementarisé parce qu'on peut aussi renforcer le Parlement sans forcément renforcer le gouvernement. Et donc, dans primo-ministérialiser la Ve République, il y a notamment le rétablissement de l'élection présidentielle au suffrage indirect pour lui retirer de la légitimité. On confie au Premier ministre le soin de fixer l'ordre du jour du Conseil des ministres. Aujourd'hui, c'est le président de la République, donc c'est lui qui décide ce qui passe au Conseil des ministres et ce qui n'y passe pas. Si on primo-ministérialise, le Premier ministre récupère cette prérogative-là. Et puis, à l'inverse, il y a d'autres propositions qui vont dans un sens de clarification du rôle politique entre le président de la République et le Premier ministre. Par exemple, en confiant au président de la République le soin de définir la politique nationale, ce qu'il fait en réalité déjà. Mais la Constitution ne le dit pas et souvent on reproche que justement il agit contre la Constitution. Donc comme il semble difficile de revenir en arrière, si ce n'est en supprimant l'élection directe du président de la République, moi j'ai tendance à croire que démocratiser un régime en supprimant l'élection que les Français plébiscitent le plus, c'est au moins difficile à vendre, voire contre-productif. Donc c'est pour ça que je fais plutôt partie de ceux qui prônent une clarification et qui auraient tendance à inscrire dans la Constitution que le président définit la politique nationale en ajoutant qu'il le fait en collaboration avec le Premier ministre. Comme ça, on institutionnalise cette collaboration au sommet de l'État nécessaire. Et lorsque l'on est dans une configuration
où le Premier ministre prend un petit peu l'ascendant sur le président de la République, parce que justement, c'est lui qui est soutenu par l'Assemblée, clairement, les cohabitations, bah, cette collaboration, en réalité, se fait au profit du Premier ministre, qui va dire au président de la République comment les choses vont se passer. C'est la situation, en fait, de facto, Bruno, même s'il y a eu quelques... C'est la situation de facto, même s'il y a eu quelques premiers ministres qui étaient un peu plus réticents à l'autorité présidentielle. J'imagine qu'un Gabriel Attal, c'était pas comme d'autres premiers ministres. Il y a eu des premiers ministres qui étaient presque, on disait à un moment donné, comme un secrétaire général de l'Élysée. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le président qui donne les impulsions et le Premier ministre qui fait tourner la machine de l'État au service du projet du président. Il y a eu des premiers ministres qui disaient, d'ailleurs qui le disaient très clairement, je me rappelle de Jean-Pierre Raffarin, premier ministre de Jacques Chirac, disant « Moi, je suis là pour mettre en œuvre le projet du président. » Et les premiers ministres au début d'Emmanuel Macron et Édouard Philippe le disaient de temps en temps, mais... Un petit peu moins que voilà, Jean-Pierre Raffarin. Voilà, tout à fait. Donc, on tourne autour de cette question. Il y a l'autre question, j'imagine qu'elle est dans vos scénarios, qui est la question de la durée des mandats. Alors certains, je pense aux propositions de l'ancien président François Hollande... Je vous ai vu tiquer, Jean-Philippe, quand vous parlez... Bruno, tu parlais du septennat en disant que c'était trop long. Vous n'avez pas l'air de penser que c'était trop long. Pardon, je t'ai coupé la chic, Bruno. Non, effectivement, moi, je ne considère pas que c'est en trop bref, long. Donc, alors après, ce n'est pas un septennat d'un seul mandat. C'est un quinquennat plus deux ans d'un deuxième quinquennat. Je trouve, pour le coup, pour abonder, ce n'est pas souvent que je le fais au niveau institutionnel, parce que je trouve que sa vision des institutions est effectivement un peu problématique, mais pour abonder dans le sens du président de la République et d'Emmanuel Macron, je trouve que cette limitation à deux mandats est, je ne sais plus quelle était son expression, mais en gros, une monstrueuse connerie. Parce que c'est le choix des Français, c'est préempter le choix des Français dans certains régimes où effectivement on a des présidents ou des personnalités qui, une fois installés au pouvoir, n'ont de cesse de s'y renouveler par des voies plus ou moins démocratiques. Là, effectivement, que l'on pose une limitation, c'est sain. Mais ce n'est pas le cas en France. Jamais aucun président de la République dans toute l'histoire de notre République française, et donc avant même la 5e République, n'a fait plus de deux mandats. Et celui qui a fait le mandat, le temps de mandat le plus long, c'est François Mitterrand, 14 ans, où à l'époque c'était le septennat, effectivement, il en a fait deux. Mais si les Français veulent qu'un président de la République dure 15 ou 20 ans, après tout, pourquoi pas, Angela Merkel a duré 16 ans, 4 fois 4 ans, ça n'a pas été particulièrement problématique. Et puis à un moment donné, elle est partie parce qu'elle a décidé de que c'était le terme était venu et non pas parce qu'elle a été battue par les urnes. En revanche, effectivement, cette question de la clarification d'une meilleure articulation des scrutins électoraux est proposée comme scénario dans cet ouvrage. Et ce qui est proposé, c'est d'aligner tous les mandats de la République sur une même durée, 6 ans, sachant que la plupart des mandats sont de 6 ans. Hein. Les deux seuls mandats qui sont d'une autre durée, c'est le mandat présidentiel et le mandat législatif de député qui est de 5. Donc on aligne tout sur 6 ans et on regroupe, on fait les élections législatives et présidentielles le même jour, ce qui contribue à relégitimer l'Assemblée nationale. Parce que quand vous votez pour l'Assemblée nationale, vous ne savez pas qui est le président. Et la réciproque est vraie. Quand vous votez pour le président, vous ne savez pas qui est à l'Assemblée nationale. Et ça synchronise les campagnes, parce que synchroniser les élections, ça synchronise aussi les campagnes électorales. Aujourd'hui, alors pas aujourd'hui, 19 septembre 2024, mais dans la configuration, on va dire, normale, où le président est élu, qu'ensuite il obtient une majorité, même relative. Les députés de la majorité doivent leur élection en grande partie au président de la République. Donc, ils lui sont redevables, ils sont dépendants de lui. Si vous synchronisez les campagnes, effectivement, les députés vont devoir en partie leur élection au président qui les aura entraînés, qui aura été plus visible que dans le cadre de la campagne. Mais le président devra aussi son élection à la campagne des députés, parce que qui fait la campagne sur le terrain, qui va voir les gens sur les marchés tous les jours, c'est pas le président le fait, mais c'est qu'un homme, lui. Donc le temps qu'il sillonne toute la France, ça prend du temps. En revanche, quand il se dédouble en 577 représentants dans les circonscriptions, ça contribue à l'idée. Donc là, on synchronise les élections présidentielles et législatives, et on fait le même jour toutes les élections municipales à mi-mandat des mandats nationaux. Donc tous les 3 ans, on a des élections, un coup national, un coup local, et il ne faut pas se leurrer, en France, les élections locales ont un impact national, ont une dynamique nationale. Les enjeux ne sont pas les mêmes, mais il y a une répercussion nationale.
La preuve, enfin, une des preuves, c'est que très souvent, au lendemain d'élections municipales, il y a un changement de Premier ministre, un changement de gouvernement pour tenir compte de ces élections-là. Et donc, on propose effectivement de, d'acter un petit peu tout ça par ces différents mécanismes, avec aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais un impact sur la configuration, la composition du Sénat, puisqu'on sait qu'il est l'élu des élus locaux, notamment, et donc on propose une refonte de la désignation du Sénat pour tenir davantage compte de ces élections locales de mi-mandat. Je voudrais profiter de ce moment pour tordre le cou à, rapidement à deux idées reçues. On entend souvent des décideurs politiques dire que tout ça n'intéresse pas les Français. Ce n'est pas vrai, ça a cessé d'être vrai. Il suffit de voir avec quelle intensité les gens expriment leur approbation, en l'occurrence sur la proportionnelle. Et voilà, moi, j'ai entendu peu à peu des gens dans des groupes de discussion dire ouvertement que peut-être il y a un problème avec le fonctionnement des institutions et des modes de scrutin dans ce pays. Et par ailleurs, même la question qu'évoquait Jean-Philippe Derosier, c'est sûr que quand la seule élection qui nous aligne avec nos partenaires européens en toute participation, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel, ça rend un peu prudent sur l'idée d'y renoncer. Mais pour avoir voulu en avoir le cœur net, le seul sondage que j'ai trouvé sur la question montrer que les Français étaient beaucoup plus partagés que je l'aurais moi-même imaginé sur la nécessité de maintenir ce mode de scrutin. Donc effectivement, ça invite vraiment, non seulement à la lecture du livre coordonné par Jean-Philippe, mais à une réflexion dans laquelle, surtout, on invite les Français sur ce que doivent devenir nos modes de scrutin, qui sont très prescripteurs à la fois du comportement des partis, on l'a bien vu d'ailleurs dans ces législatives, et du comportement des électeurs. Je ferai deux, trois petits rebonds. Le premier, on pourrait avoir un système comme... Il y a la moitié des pays de l'Union européenne qui élisent au suffrage direct leur chef d'État. Mais nous, on est le seul qui lui donne autant de pouvoir. Donc on pourrait maintenir cette élection auxquelles les gens sont très attachés, mais en piquant du pouvoir au président pour le redistribuer au Parlement, au Premier ministre éventuellement. Deuxième observation, il y a dans le pays une très forte demande de démocratie directe. Toutes les enquêtes d'opinion montrent une claire demande de référendum. Pas tous les quatre matins, pas sur tous les sujets. C'est pas l'exécutif qui serait, on veut dire, sous surveillance de la démocratie directe, avec des citoyens qui peuvent demander un référendum. Non. Dans les enquêtes d'opinion, on leur pose ces questions. Les gens veulent un usage raisonnable, raisonné, du référendum sur des grandes questions pour avoir de beaux débats nationaux à l'issue duquel le peuple souverain va trancher. C'est une très belle idée et une très grosse demande. Et troisième observation, on a vu quand même ces dernières années, d'ailleurs à l'initiative d'Emmanuel Macron, des nouveaux outils comme les conventions citoyennes. Et le problème, c'est que je parle sous le contrôle d'un grand constitutionnaliste, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais il me semble qu'on n'a pas dans la Constitution la tuyauterie institutionnelle qui va de ces conventions citoyennes vers les institutions de la démocratie représentative. Et donc, on arrive à des impasses. Les gens disent, il y a eu un grand débat, il y a eu la convention, après, ça part où ? Ça part où ? De temps en temps, Emmanuel Macron, dans certaines déclarations, fait référence d'un seul coup au grand débat national, très peu, c'est très, très peu souvent qu'il le fait, de temps en temps ça arrive, ou aux conventions, mais les citoyens de la vie de tous les jours, ils se disent, mais est-ce que c'est, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, du foutage de gueule, est-ce que ça débouche sur quelque chose ? Je fais souvent ce test. Il y a un grand débat national, on a beaucoup parlé, des millions de Français y ont été invités d'une manière ou d'une autre. Et je demande souvent qui peut citer une mesure dont le grand débat national a accouché. Et en fait, les gens ne savent pas, parce que je disais, mais c'est dramatique. C'est-à-dire qu'effectivement, Emmanuel Macron l'a fait, mais aussi Emmanuel Macron a beaucoup contribué à discréditer ces formes. Et c'est un peu regrettable, parce qu'évidemment, c'est ça qu'il faut faire. Le mot de la fin, professeur, puisque l'heure tourne, mais c'est pour vous. Vous avez le droit au mot de la fin. C'est très gentil. Il me semble difficile de retirer le pouvoir politique au président de la République, comme le proposait Bruno, si ce n'est en supprimant l'élection directe. Parce qu'en réalité, son pouvoir politique ne résulte pas de la Constitution, du texte, mais de la pratique constitutionnelle et de la pensée des Français. Lorsque la différence de l'électeur autrichien, de l'électeur irlandais qui vote eux aussi directement pour leur président de la République, l'électeur français, lui, va voter non pas pour le premier magistrat de France, pour le représentant du pays, mais pour le premier décideur politique. Et il vote sur la base d'un programme politique. En revanche, ce qu'il est possible de faire, plutôt que d'affaiblir le président, c'est de renforcer les autres pouvoirs.
et notamment le Parlement. Et je pense que justement, en synchronisant les deux élections, déjà, on y contribue. Et on peut aussi renforcer, là aussi il y a un scénario qui est envisagé là-dessus, renforcer la participation citoyenne. Le référendum, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la participation citoyenne. Parce que le référendum a effectivement une vertu, c'est que le peuple décide directement, mais un énorme défaut, c'est qu'on ne discute pas de ce sur quoi on se prononce. On ne peut pas le corriger, l'amender. En revanche, le peuple pourrait demander que le Parlement débatte d'une loi et adopte une loi, discute d'une loi. Ou, au contraire, pendant qu'il y a une loi qui est discutée au Parlement, le peuple pourrait dire « Mais moi, sur cette loi-là que vous êtes en train de discuter, je voudrais que ce ne soit pas vous, mais moi, in fine, qui la ratifie. » Comme cela se faisait dans une très vieille constitution qui n'a jamais été appliquée, mais qui est réputée être la plus démocratique que le monde a connue, celle du 24 juin 1793. Merci professeur, 20h passées de 30 secondes. Merci Emmanuel Rivière, merci Bruno Grotres, merci Jean-Philippe Desrosiers. Merci pour vos lumières qui ont été précieuses pendant ces 60 minutes, certainement et visiblement beaucoup trop courtes, mais on aura l'occasion certainement d'y revenir si l'exercice vous a plu. En tout cas, c'était un plaisir partagé, si c'était un plaisir partagé pour vous aussi. C'est la fin de ce stream, chers amis. Merci d'avoir suivi, merci à nos invités d'avoir répondu aux questions du chat, tenté d'y répondre, d'avoir répondu aussi à quelques-unes de mes questions, mais j'en ai pas eu beaucoup. Merci aussi à vous dans le chat. Merci pour vos questions, vos râleries, vos coups de gueule. Merci aussi pour tous vos petits mots gentils, vos témoignages de sympathie. Je vous les retourne volontiers, puisque sans vous, on serait pas grand-chose. Merci aussi, bien sûr, à ma droite, à l'homme qui met en son et en image. Merci à Cyril, à la Réal. Merci à la faiseuse de couleurs et de pixels, Stéphanie Berlu, au visuel, au quatrième étage à France Info. Merci Jérém à la modée qui vous lit, qui vous répond, qui vous censure parfois. Merci aussi à Jeanne, à la programmation. Jeanne, il me semble qu'on se retrouve déjà mercredi prochain, de 18h à 20h, comme tous les mercredis, avec quoi au programme, peut-être en un mot? Je te prends dépourvu, c'est ça? Non, pas du tout. On va pouvoir parler politique française puisqu'on aura... Mais toi là, les gens te voient pas, pardon, je crois. Excusez-moi. Ah, mais... tu es en train de décoiffer Emmanuel Rivière. Excusez-moi. On va pouvoir parler politique française puisque nous aurons peut-être un gouvernement d'ici là. Et nous pourrons également parler de... comment dire? Nous allons pouvoir parler d'une nouvelle BD qui va sortir et qui va nous parler un petit peu de charge mentale et du rôle des pères. Et du rôle des pères, tout à fait. On pense voilà. Que les pères ont changé, mais bon, ils bossent quand même toujours moins que leurs femmes, c'est ça, c'est un peu l'idée? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc on va pouvoir en parler la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci Jeanne, programmatrice du stream. Un stream à revoir en replay sur la chaîne Twitch de France Info, mais aussi sur YouTube et sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Pour ceux qui aiment le son de la maison de la radio, de la musique, par exemple, le stream est à écouter en podcast sur l'appli et sur le portail de Radio France. On se retrouve donc mercredi prochain de 18h à 20h. Pas vraiment de bonheur, mais certainement, très certainement de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Salut.